Allô, allô, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous m'entendez? On a fait les tests hier, normalement tout devrait être bon. J'ai l'impression d'avoir le son, donc on devrait être bon. On va attendre que les gens arrivent un peu, je suis un peu en avance. Donc salut tout le monde, là je vois que vous êtes 7 pour le moment, donc on va attendre que qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Vous étiez vraiment plus d'une vingtaine hier pour mon test de stream, donc on va peut-être attendre un peu. J'espère que vous avez bien kiffé le stream de Val hier soir. Là on va avoir un peu moins de gameplay, on va être un peu plus dans les XNO comme on appelle ça, et on va voir tout ce qui est playbook. Création de playbook particulier. Là, vous voyez que je suis sur celui d'Air Force parce que j'ai pas eu le temps de zioter ça. Donc, on va peut-être même commencer par ça. Donc, vous allez avoir ma réaction en direct. Et puis aussi, on fera quand même un peu de gameplay, sûrement sur un match. Peut-être avec Army, peut-être avec une équipe de Air Force. On va voir. On fera peut-être même potentiellement un petit sondage pour savoir avec quelle équipe vous voulez qu'on fasse un petit match. Et je tenais à en profiter pour remercier tout d'abord EA qui nous a gentiment offert des copies de jeux pour que bah, premièrement pour qu'on puisse jouer dessus. Donc comme vous le voyez là sur l'épinglé, je profite de la générosité de EA qui est notre partenaire et qui nous a offert cette copie. Et donc voilà, c'est un grand merci à eux qui nous offrent cette opportunité. Et on va essayer d'en profiter au maximum et de vous faire kiffer avec le contenu qu'on vous propose. Salut Spartkun, salut Raphaël. Là pour les lives de Trickplay, du coup ce que ça va donner c'est que Ryan va être sur le Dynasty. Donc c'est lui qui a fait le premier live. Il a fait un Dynasty, je crois qu'il a commencé avec Yukon. C'était à la demande générale, il est core de dev pour l'instant à Yukon. Salut Piolo, salut Edge Gongtown. Ouais, il y a Val qui sera sur le Road to Glory. Il a commencé hier. J'ai oublié dans quelle équipe il était. Peut-être à Northwestern, du coup, comme beaucoup d'entre nous. Moi, je sais que je suis à Northwestern aussi. Il y aura Guigui qui viendra aussi. Et puis on a la dynastie TTP avec les gens du Discord qui sont là. Et puis quand on commencera, il y a de grandes chances que quand Ryan, Guigui, Val ou moi, on soit sur des matchs Dynasty, on stream ça pour que vous puissiez tous en profiter. Donc il y aura vraiment du gameplay en player versus player. On verra si je sais que dans le l'équipe on n'est pas beaucoup à jouer en Ultimate Team. Je sais que c'est un mode aussi qui intéresse les gens. On est en train de voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on se met sur Ultimate Team aussi? Donc ça viendra au fur et à mesure. En tout cas pour l'instant. On va commencer par les playbooks. Moi je sais que c'est l'une des premières choses que j'ai faites. Littéralement j'ai fait un play now contre Oregon State avec Oregon juste pour me remettre un peu dans le truc. Quelques mini-jeux parce qu'il y avait deux trois choses que je voulais aborder. Et puis je me suis mis dans le playbook parce que le playbook d'Oregon ne me convenait pas du tout. Donc comme j'avais fait sur Madden à l'époque, je suis allé faire mon propre playbook. Salut Titoz, Godux bien sûr, évidemment. J'ai pas la...
J'ai pas la cam, ça viendra au fur et à mesure parce que je suis un cancre et j'ai pas écouté Ryan, donc j'ai pas préparé mon setup, donc pour l'instant vous avez que mon écran. Là la packer, salut à toi, ça fait plaisir. Donc du coup on va commencer, vous êtes 19, on va y aller. Premier playbook qu'on va voir, et donc on va voir la réaction en direct, hein, parce que du coup je l'ai pas vu du tout, le playbook de Air Force. Alors, Air Force qui a de la Flexbone et de la Maryland High. Pour ceux qui étaient là hier pendant le test, c'est cette formation-là. On va voir ce qu'ils ont mis les 6 jeux. Maryland High, qui est une formation hyper intéressante. Voilà, c'est. Hier j'ai dit n'importe quoi, c'est même pas de la pistole, vous voyez, c'est une under center avec deux tight ends et trois running backs derrière. Donc, si vous aimez le power football, voilà. C'est pas compliqué, si vous avez un tailback, vous mettez derrière deux fullbacks et vous courez. Le package de Maryland High est relativement restreint. Vous vous en doutez qu'avec cette formation, vous n'avez pas beaucoup de jeux à niveau créativité. Parce que surtout que là où c'est compliqué, c'est que personne ne joue ça. Mis à part Michigan une fois de temps en temps quand ils se font chier et que ils ont envie de s'amuser un peu. Mais sinon, il n'y a presque aucune équipe qui joue ça au niveau college, en tout cas en première division. Peut-être qu'en high school, c'est peut-être plus. Peut-être plus présent, peut-être que dans les divisions NCAA inférieures aussi. Mais en tout cas, salut Ewan. Là pour l'instant, vous voyez qu'on a que ces 6 jeux. Donc là, je crois que j'ai joué le Sting. Non, le Blast. Du coup, il y a le Blast, il y a un QB Sneak, il y a une Power O, il y a un Halfback Lead. Donc il y a deux Play Action. Celle-ci que moi, je sais que j'aimais bien dans d'autres formations. Sur les anciens Madden. Parce qu'en général, bon là, du coup, j'ai des défenses aléatoires. Donc c'est de la. C'est de la défense nickel contre de la Maryland High, donc en général je vais pas jouer une play action, hein, je vous avoue que je vais courir. Et donc du coup, voilà, le running il met du temps à sortir. En général, short yardage là-dessus, c'est pas mal cette sortie du tailback derrière deux fullbacks. Et la dernière, je crois que c'est quoi? C'est une sorte de boot, comme très souvent. Non, c'est équivalent de Spider 2 White Banana. On va mettre une 34 avec un jeu random. Donc voilà. Play action classique. Joue sur le tight end. Et effectivement, on a des copies à vous faire gagner. Donc du coup, pour ceux qui ne peuvent pour l'instant profiter du jeu que via la chaîne, que via ce qu'on vous propose, on a une copie à vous faire gagner aujourd'hui. Je crois que si je dis pas de bêtises, Val en a fait gagner une voire deux hier. Il nous en reste et donc aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure. On vous fera gagner une copie, ce sera qu'un petit jeu qu'on fera sur le live. Et donc du coup on vous permettra de gagner une copie du jeu que je sais vous êtes beaucoup à vouloir. Et donc on va essayer de vous offrir cette opportunité. Ensuite on a de la Power High. Donc pareil qu'en formation strong. Donc là vous voyez en haut à droite, juste au-dessus du petit encadré du triangle. Il n'y a que 12 plays dans ce playbook. Dans ce package, on retrouve plus ou moins la même chose que sur le Maryland High, d'accord? On a un lead, on a un power 0, on a un blast, un fullback dive, du zone classique et une misdirection avec ensuite les bootlegs. Vous voyez que la play action à gauche là, la halfback wheel, c'est exactement la même avec une formation différente. Vous avez du quick game avec une slant. On a une PA en sortie de power 0, un peu comme on avait tout à l'heure. Et on en a une, c'est un boot qui est le boot qui est un jeu très très efficace sur du short yardage et contre la cover 3. Salut Celous, fait plaisir de te voir. Est-ce qu'il y a un site qui répertorie et explique tous les jeux play offensifs et défensifs? Alors sûrement, il y a moyen que ça arrive très vite. On sait la vitesse avec laquelle va Internet, surtout dans des jeux, aussi attendus que NCAA College Football 2025. Ouais, je pense que ça va arriver très vite. Faudra chercher un peu. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai plus fouillé par moi-même qu'autre chose. Donc on va voir de toute façon. On va voir ce que ça donne. C'est qui? C'est Raphaël qui dit ouais, ça ressemble beaucoup au playbook de Madden cette partie-là. Bah en fait, faut pas se mentir. Hein. C'est ce que j'essaie d'expliquer hier rapidement, c'est que bah ça reste EA qui le fait. Ça reste les. Soyons honnêtes, hein, ils ont repris des jeux qu'ils avaient sur Madden. Hein. Mais on a les spécificités du college football, la flexbone, la wishbone, on l'a pas du tout sur Madden.
L'avantage, c'est que là où par exemple les playbooks NFL de Madden sont un peu généralisés et t'as un peu tous les jeux sur certaines équipes et c'est pas vraiment spécifique parce que la NFL c'est beaucoup de pro style et à part 3-4 exceptions avec les nouveaux cordes offensifs, c'est un peu la même chose les playbooks. En NCS et enfin, ouais, en FBS, c'est un peu différent quand même. Là, vous voyez, c'est Air Force. Déjà, le fait de voir de la Flexbone, la Maryland High, c'est assez unique. Donc c'est cool qu'ils aient fait ça. Et puis, il faut être honnête aussi, les jeux de football américain sont les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez appeler votre formation comme vous voulez, vous pouvez changer une formation, vous pouvez changer l'alignement, quoi que ce soit, mais au final, un power, ça reste un power, un dive, ça reste un dive, un boot, ça reste un boot. Donc, c'est pour ça que quand, là, on va voir les packages que j'ai dans mon playbook à moi. La plupart des formations que j'ai, ben dedans il y a beaucoup des mêmes choses, c'est juste qu'on utilise diverses formations pour les jouer. C'est quelque chose que je fais pas beaucoup, hein, donc je vais essayer de rester avec vous sur le chat pour répondre au maximum à vos questions, parce qu'on est là pour ça aussi, c'est bien la découverte, mais profitez-en si vous avez des questions et on essaye de voir ça. J'ai vu un youtubeur US très Madden qui va faire des vidéos, bah ouais, ce jeu est très attendu, il faut savoir qu'aux États-Unis c'est la sortie, hein, c'est la sortie de cette année. Je pense pas que Madden soit délaissé non plus, mais c'est vraiment un jeu qui est très attendu. En plus, soyons honnêtes, on est beaucoup à le trouver beaucoup plus fluide que Madden, parce qu'ils ont vraiment mis le paquet pour faire en sorte que le public qui attend ce jeu depuis 10 ans soit pas déçu. Donc effectivement, le jeu est vraiment sympathique. Triple option, t'as un jeu sur Madden. Ouais, mais t'as un jeu de triple option là. Si c'est le, c'est ça. Si tu vois, alors attends, j'essaie de voir la Flexbone. On va faire par play type option. Non, c'est pas celui-là. Donc c'est concept option. Regardez le nombre d'options que vous avez. D'accord? Vous avez une vire en shotgun. Vous avez une load option, donc speed option en shotgun toujours. Vous avez de la midline. Vous avez de la read. Vous avez de la shovel. Donc là, c'est un peu les jeux comme ce que joue Andy Reid avec Travis Kelce en goal line beaucoup. De la vire, c'est quelque chose qui joue très peu maintenant. Mais voilà, vous avez de la speed option, mais qui est très différent. Vous avez de la triple option. Donc là, vous voyez, hein, le nombre de jeux de triple option qu'on a, il y en a 17. Donc sur 17 formations différentes, où des fois c'est juste la même formation, mais avec un côté inversé par exemple. Vous avez de la zone option, il y a de la RPO lead, il y a de la RPO. Voilà, il y a beaucoup de. C'est très très diversifié. Donc honnêtement, si vous aimez bien les playbooks comme ça, si vous aimez bien courir sur Madden, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment bien plus passer la balle que courir. Là, c'est beaucoup plus intéressant de jouer à la course que sur Madden où effectivement vous avez de l'inside zone, la read option, du counter, allez une petite fly sweep de temps en temps. Là, il y a vraiment des trucs très très sympathiques. On va d'ailleurs aller voir dans quoi ils auraient classé ça. Parce que du coup, les différents types de classement, je me perds un peu. On n'a pas la DIY reverse. Ouh, c'était quoi la dernière option là? Motion RPO zone. Ok. Play type. Alors special, c'est special team, d'accord? Moi, la première chose que je me suis dit, c'est special, ça va être les trick play ou quoi? Non, non, c'est special team, donc on oublie. RPO option. Ouais, donc là, il y a tous les jeux d'options. Run. Est-ce que dans run, non. Donc là, il n'y a pas de reverse dans le playbook de Air Force. Mais donc vous voyez que les différents types de courses, hein, donc il y a 18 jeux d'inside zone, outside end off. Ah bah si, voilà. C'était mis en. On va commencer par ça. On l'a vu hier. Et on va la jouer en pistol trips comme ça. Donc en fait c'est un jeu d'options, mais c'est une reverse en option. Donc c'est vous qui choisissez, est-ce que vous donnez la balle à la reverse ou est-ce que vous gardez la balle. Faut savoir qu'il y a, enfin moi par exemple, hein, de mon playbook en vrai, hein, j'ai des reverse, j'ai des fake reverse. Et c'est toujours la problématique de dire à ton joueur, mais ouais, mais si le mec à qui tu donnes la balle pour la reverse, il voit que c'est bouché de son côté et qu'il va se faire défoncer, ben comment tu fais? Et ben il y a cette possibilité. Donc en fait vous jouez comme une option avec la touche L1 du pitch. Là vous voyez que je crois que c'est le 21, donc Harris il va faire une feinte de lead block vers la gauche. Et il va revenir. Et donc si j'appuie sur L1, je lui donne la balle pour jouer la reverse. Et je peux faire exactement la même, ce qui veut dire il va lead blocker, il feinte la reverse, et je peux garder la balle. Là c'était pour montrer, hein, j'aurais dû donner la balle, on est d'accord. Alors là, je l'ai pas d'affiché parce que normalement, il y a les joueurs qu'on optionne, qui ont le petit triangle à l'envers. En général, bleu navy avec un P pour pitch.
Là du coup je joue la reverse. En général c'est bien d'avoir un joueur qui cavale. Bon là je suis en mode varsity pour l'entraînement hein, donc les joueurs en face c'est pas les plus rapides du monde. Donc voilà, c'est un jeu qui est sympa, qui est un peu le timing est un peu chiant à prendre en compte. Et il y a plusieurs choses à regarder parce que là je vais regarder play side. Là je vous avoue que je lis le défenseur qui est face au numéro 2 sur la gauche de l'écran. Mais si je fais ça, je vois pas forcément ce qui se passe backside, ce qui se passe à droite sur le end. Donc en fait je vais la jouer parce que peut-être que je pense que j'ai la place de la garder, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué à gérer ça. En tout cas, c'est moi je trouve ça très cool qu'il l'ait mis. C'est très intéressant. Il y a des reverse classiques. J'en ai parlé avec quelques amis. C'est sur le playbook de Baylor où il y a une reverse classique où donc c'est la reverse quoi qu'il arrive. Et donc voilà, ça existe dans plein de formations. Donc là, si jamais vous prenez des notes ou si jamais vous êtes sur le pour ceux qui ont le jeu, si jamais vous êtes sur le jeu en même temps. Je vous laisse un peu vite fait, vous voyez les formations qu'il y a, donc c'est sur de la pistole, donc il n'y en a pas sur la flexbone, c'est sur la pistole. Donc la empty tight stack, la empty wide tight et la empty trips, du coup, où il y a, et ça existe dans plein d'autres formations. Je sais que par exemple la double passe, qu'on verra juste après, et aussi sur au moins deux formations différentes. Après il y a les jeux d'options, on va voir ce que ça donne. Alors faut savoir que moi les jeux d'options surtout under center c'est je peux pas blairer ça en vrai mais alors sur la console on va voir ce que ça donne. Donc encore une fois si jamais on fait une, ce qu'on appelle une light tap, si jamais on appuie légèrement sur le bouton, on va donner la balle au fullback. Et là vous voyez quand j'appuie sur R2 j'ai effectivement les joueurs qui vont s'afficher. Donc si vous avez l'habitude des options sur les jeux EA, le petit R c'est pour le read, donc pour la course au centre, et le petit P c'est pour le pitch. Attendez, excusez-moi, je vais. En vibreur, ce sera mieux. Donc, du coup, la première lecture se fait sur le run. Si jamais le mec garde le contain, reste à l'extérieur, j'appuie légèrement, je relâche le bouton le plus vite possible pour courir avec mon fullback. Donc, le R1, la Carson que vous voyez aligné au QB. Et si jamais il crash à l'intérieur, il pinch, il va jouer le fullback, et ben je reste appuyé sur le bouton croix, d'accord? Le QB, le 12, va garder la balle et je vais pouvoir jouer une option avec Calvert, le triangle à gauche, qui va venir passer derrière. Et ensuite, ma deuxième lecture se fait sur le triangle P, le joueur tout à droite là, de la box. Et si jamais il joue le QB, je pitch. Si jamais il joue le pitchman, je keep. Donc on va voir ce que ça donne. J'attends juste d'abord, je vais répondre avec le chat. J'essaie d'interagir quand même un maximum avec vous. Raphaël, ouais, c'est sûr, heureusement qu'ils font taffer sur le book universitaire. Ouais, honnêtement, c'est ce qu'on attendait aussi. On voulait pas un truc aseptisé. Enfin, quand je dis aseptisé, c'est pas la faute de EA, hein, c'est pas Madden, c'est le jeu NFL qui est comme ça. Faut se dire aussi que les seules diversités qu'il y a en NFL, avec on pense aux Dolphins, on pense à Shanahan, on pense à McVay, c'est beaucoup de choses qui sont empruntées du college football. Donc, ouais, on espérait voir toutes ces choses-là qui se répercutent sur le NCAA Football 2024, 2025, pardon. Pietro qui dit qu'il y a pour le youtubeur, donc ça je ne sais pas. Top vente aux US, effectivement, ça m'étonne pas du tout, hein. On s'y attendait vraiment. Si l'année prochaine NCAA 26 sort aussi, ouais, Madden c'est fini, je comprends, c'est. Moi personnellement, enfin, vous savez, c'est le créneau de la chaîne, hein, du podcast, on est un podcast NCAA, College Football, donc forcément nous on a notre préférence par rapport aux deux. Et toi Kevin, tu en penses quoi? Il est plus dur que Madden. J'ai toujours trouvé l'NCAA Football plus dur que les Madden, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Alors sur le gameplay, je t'avoue que moi ça fait quoi? 4 éditions que j'avais pas joué à Madden. Je trouve que celui-là est mieux, je trouve pas forcément plus dur. Je le trouve relativement sympa. Je trouve que la diversité des playbooks, en tout cas, je parle pour l'attaque, hein, parce que je fais beaucoup d'attaques. Donc ouais, je trouve que c'est hyper sympa et ça facilite la tâche justement. Ça te permet d'avoir beaucoup plus d'options et là on va voir, hein, il y a des doubles passes. La double passe elle est meurtrière. Il y a vraiment certains cas où vous êtes pas wide open pour le touchdown. Donc bien sûr faut pas en abuser, hein, faut doser quoi. Mais donc c'est assez sympa, il y a une grande variété, ça permet de, en fonction de votre style, hein, moi je sais que je joue beaucoup à la passe, et ben là je peux faire un peu ce que je veux. Si jamais vous aimez bien la course, vous préférez courir, je trouve que le jeu est plus fluide au niveau du run game. Il y a moins d'animations qui font que si jamais votre pointe de pied se prend dans un mauvais brin d'herbe un peu trop dur, votre joueur il va commencer à stumble et tout, ou quoi que ce soit. Donc je trouve qu'à ce niveau-là c'est vraiment pas mal, le run game est plus fluide. Faut juste lâcher la touche R2 et pas accélérer non-stop, ce que j'ai tendance à faire sur tous les jeux EA, que ce soit FIFA ou les jeux de football américain, donc j'essaye de me soigner à ce niveau-là.
Le playbook sera sur les downloads de la commu et sous quel nom? Alors oui, mon playbook perso sera disponible, comme je disais hier pendant le test, je suis juste en train de le finaliser. On va jeter un œil dessus après. Pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai fait plus ou moins pour l'instant avec ce que j'avais envie, mais quand je me retrouve en match, j'ai 2-3 problématiques. Donc je me mets dessus, il sera disponible je pense d'ici, j'espère, d'ici le prochain live qui devrait se passer en début de semaine prochaine, où on fera vraiment plus de la tactique in-game. Donc j'espère qu'il sera disponible pour vous le plus rapidement possible. Faut peser dans le game pour avoir IA comme partenaire. Merci les gars, c'est cool. C'est tout le mérite en revient à Rob. C'est lui qui a fait toutes les démarches là-dessus et franchement il a géré. Et IA pour le coup a été hyper cool de nous offrir cette opportunité. Donc on essaye d'en profiter un maximum et surtout de vous en faire profiter un maximum. Le truc qui perturbe sur NCA sur les options, c'est que c'est XA pour le garder, là où sur Madden c'est pour la donner. Ok, alors ça a dû changer sur Madden parce que je t'avoue que quand j'ai commencé à avoir des options à l'époque où je jouais à Madden, c'était déjà avec XA. Donc moi ça me perturbe pas trop. Par contre, c'est plus le timing qui me dérange. On verra le slow mesh de Wake Forest, dont j'avais fait une petite vidéo TT Palette si vous en souvenez. On va voir Wake Forest. Il y a le slow mesh de Wake Forest qui a été intégré sur le playbook offensif. Je l'ai testé hier, c'est absolument incroyable pour la RPO. Donc on va jeter un œil dessus. Et vous verrez que pour tout ce qui est RPO read, c'est beaucoup plus simple à gérer. Il n'y a pas trop compte sérieux sur le foot US, donc normal, je dirais ok. Salut les gars, salut Kevin, salut Flyriders. Je peux avoir un lien du Discord SVP. Alors ça, on va te donner ça normalement, t'inquiète pas. Wesh, Jogactu, Johan, ça va tranquillement. Et Sacha, salut Sacha. Donc du coup, on va voir là. Ah bah voyez, en fait j'ai relâché le bouton. Alors il me faudrait une caméra sur la manette que vous voyez comment je joue exactement. Et voilà, pour moi j'ai relâché hyper rapidement et malheureusement le QB a gardé la balle. Là j'ai relâché, voilà, je donne au full. Alors, quand vous jouez ce type de jeu, dites-vous bien que vous vous dites, oh putain, il a gagné 4 yards, ok, c'est pas un jeu terrible. La flexbone, la wishbone, c'est pas fait. Alors vous pouvez marquer des touchdowns, hein, mais quand vous voyez que le porteur de balle principal qui est derrière, c'est un fullback, vous doutez bien que c'est pour gagner du yard légèrement et que on n'est pas là pour. On n'est pas là pour aller marquer du home run de 80 yards tout de suite sur du dive. Donc, effectivement, ça. Oh là, il va y avoir de la course, mais c'est vraiment quand on keep sur l'extérieur où on va avoir cette possibilité de. Alors, ok, donc c'est le running qui a gardé la balle, qui a pitché pour mon QB. Alors que je pensais que c'était pas du tout ça. Ok. Donc, du coup. Oh, sur cette formation. Voilà, moi encore une fois c'est pas ce que je préfère parce que c'est compliqué à lire. Surtout dans. Je préfère la triple option en shotgun ou en pistol, c'est beaucoup plus facile à lire, il y a plus de temps. C'est aussi pour ça que les équipes sont passées dans cette formation. Et si je dis pas de bêtises, on doit avoir de la triple option en pistol pour Air Force. Si vous avez envie de jouer de la flexbone, encore une fois libre à vous. Si jamais vous arrivez à le jouer, eh ben kiffez bien parce que c'est dévastateur. Mais faut comprendre la logique de la flexbone, de la wishbone, ce qui veut dire. Ne soyez pas frustré parce que vous gagnez 4 yards, c'est le but, d'accord? Donc voilà, triple option left en pistol split. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple à lire. On va keeper, on va aller sur l'extérieur, on va attirer, hop. Et du coup, ça a été bien défendu là pour le coup parce qu'il a joué l'épaule extérieure, c'est bien, c'est ce qu'on demande. Donc là, je vais laisser la balle. Mais comme je vous ai dit, comme je passe mon temps avec le doigt appuyé sur R2. Beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué de courir correctement. Donc voilà, je préfère en triple option comme ça. Merci Curaï Bob pour le lien du Discord. On va donner la. Oh, je voulais prendre le cutback. Dommage. Donc du coup voilà, c'est des jeux sympathiques, mais donc Air Force qui est quand même plus orienté sur la course, comme l'indique le fait que bah, ils ont de la flexbone. Si j'ai pas de bêtises, les universités, enfin les académies militaires, pardon, ont de la flexbone dans le playbook, et je crois que dans le créateur de playbook, il y a de la wishbone. Donc c'est légèrement différent. Faudra que je vois qui en a, qu'on puisse le voir, parce que je crois pas qu'il y ait des équipes qui en aient. Moi, j'en ai pas mis dans mon playbook. Est-ce qu'il y a de la goal line offense? Est-ce que. Non, il n'y a pas la heavy. Donc on va voir avec un autre playbook
Quelle formation je vous parle? J'en ai parlé hier. Moi, je sais que c'est une formation que j'aime bien. Perso, je prends tous les voies. C'est ça, c'est 4 yards, t'as 3 down. Si tu prends 4 yards sur chaque dive que tu vas jouer parce que la défense veut pas te laisser aller à l'extérieur et que ton fullback arrive à te prendre 3-4 yards à chaque jeu, bah, t'as un first down au bout de sans avoir à jouer de quatrième. Système des pitches est hyper bien fait, je trouve perso. Ouais, moi je le trouve pas mal. Surtout, encore une fois, avec la diversité des jeux qu'il y a. Moi je sais qu'il y a des jeux avec de la triple option, avec des joueurs qui viennent de motion ou des trucs comme ça, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, ça peut être sympa. Ce que je vais faire, c'est qu'on va venir sur mon playbook tout de suite. Oh, quoique non. Je vous laisse. On va faire différemment. On va aller chercher un style un peu différent. Parce que là, du coup, Army Navy, vous doutez bien que c'est la même chose. Le nombre de runs est quand même beaucoup plus important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher l'opposé. Alors si vous, alors pas Toledo, non, Loxy, t'es bien gentil, mais on aime le football ici, donc on va pas mettre Toledo. Non, je déconne. Bonne équipe, Toledo. On avait le run first, voire run heavy des académies militaires. Loxy, je quitte le live. Ouais, désolé, c'était c'était un poil violent pour ton arrivée. On va faire l'inverse. On va aller sur du pass heavy. Donc bah les facs qu'a visité Mike Leach, hein, feu Mike Leach, après Washington State, la dernière équipe qu'il a coachée avant son décès, c'était Texas Tech. Donc on va aller chez les Red Raiders de notre ami Cam. On va vérifier qu'ils ont bien leur playbook. Et on va aller voir ce que ça donne, un petit playbook Air Raid. Faut savoir que niveau des play calls, si je dis pas de bêtises, le nom des jeux dans les playbooks Air Raid, donc comme Texas Tech, Western Kentucky et Washington State, les play calls de Mike Leach ont été conservés, ce que je trouve absolument énorme comme tirage de chapeau, j'ai plus le terme français, enfin de le comme hommage pardon. Je trouve ça hyper cool qu'ils aient gardé les termes, donc ça c'est vraiment sympa. J'ai vu Fly Raider qui me t'a commencé une dynastie. Ouais, j'ai commencé. Alors j'avais deux possibilités, soit je commençais avec une équipe éclatée et je faisais mon petit bonhomme de chemin, soit je me mettais avec Oregon et j'en discutais avec Ryan qui me disait ça, c'était en gros mets-toi avec ta team, profite de tes joueurs, de tes seniors, tu joues 4 ans, tu fais ta dynastie 4 ans, jusqu'à ce que t'aies que des joueurs, que t'aies que des joueurs créés et puis tu quittes. Effectivement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Premièrement parce que ben ça m'arrange qu'Oregon soit l'une des trois meilleures équipes du jeu. Parce qu'effectivement, pour redécouvrir le jeu, ça permet de pas recommencer dans le dur avec des équipes qui sont très loin ou quoi que ce soit. Ça me permet d'avoir une bonne équipe et de trouver le rythme. Ça permet de plus facilement travailler mon playbook, voir les jeux qui fonctionnent ou quoi. Et donc du coup, c'est pour ça. Et puis j'ai jamais joué avec Oregon dans un jeu vidéo, donc c'était ça aussi le petit kiff perso de pouvoir jouer avec mes Ducks sur la console. Raphaël qui dit j'avais arrêté les consoles et juste pour ce jeu je vais devoir choper une série S. Ouais, je sais, c'est il y a beaucoup de personnes comme toi qui sont restées sur les next-gen. Moi je t'avoue que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis volontairement passé sur la PS5 et que je suis pas resté sur la 4 parce que je savais que ce jeu sortait et j'ai fait l'effort en avance parce que voilà, je voulais vraiment en profiter. Cincinnati, c'est de la shotgun, je crois, en tout cas dans mon playbook avec eux, j'ai que ça quasi. Bah dis-toi bien que c'est ça beaucoup le college football aujourd'hui, c'est que t'as énormément d'équipes qui jouent presque que du shotgun. Bah si tu prends l'exemple d'Oregon, Oregon ils ont full shotgun et en gros ils passent under center quand ils posent un genou, et encore, j'ai même des doutes là-dessus. Et ils ont un package où ils jouent avec un sixième lineman, deux tight ends. Et leur power back, et ils jouent en gros du power football, mais ils ont un package là-dessus, ils doivent jouer 3 jeux par match. Donc voilà, c'est le college football moderne, on sait ce que c'est. Il y a très peu d'équipes qui vont jouer under center, je parle même pas des académies militaires, hein. On parle beaucoup d'équipes qui jouent du pro style, il y en a quelques-unes quand même. On pense à Stanford, hein, qui joue du under center et qui a joué beaucoup de gros personnel. Pendant pas mal d'années.
Mais là, on est sur totalement l'inverse, puisqu'on est sur Texas Tech. Cincinnati, effectivement, respect pour Toledo, bof. Le problème de Texas Tech est un, le playbook de Texas Tech est un bijou. Effectivement, moi qui adore jouer à la passe, bah là, vous voyez, on va faire assez simple play type. Voilà. Donc là, clairement, on est sur l'opposé des. On est sur l'opposé des académies militaires. Ça ressemble un peu à mon playbook perso, vous verrez tout à l'heure. 210 jeux de passe, 42 jeux de course, 10 jeux d'options. Donc c'est de la read, de la power read. Il y a un jeu de speed option. Voilà, sinon c'est. Il y a une power read et une lead read option. Sinon, voilà, c'est de la read classique mais en formation différente. Il y a de la RPO par contre, effectivement. Hein, c'est. Dans le football moderne, ça y est, et ça fait partie de ces nouvelles mécaniques que EA a rajoutées. Je sais que Ryan déteste ça quand il joue en défense, bah parce que c'est le but que ce soit indéfendable pour la défense. On va voir tout à l'heure, il y en a certaines que j'aime bien. Je les ai testées sur celle de Texas Tech, notamment celle en carré, là, la RPO Read Bubble, que je n'aime pas du tout. Ah non, c'était celle sur Wake Forest qu'on verra aussi que j'ai pas aimé avec le slow mesh. Mais du coup voilà, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez de la read avec la screen, vous avez de la RPO avec la bubble, vous avez de la RPO avec une Y flat, vous avez la screen, la quick out, voilà, donc c'est sur un playbook comment dire? Zut. Sur un playbook Air Raid, c'est beaucoup ça hein. C'est beaucoup de bubble screen. D'accord. Sur d'autres, vous, par exemple, Ole Miss, je pense, j'y suis pas allé, mais je pense que le playbook de Ole Miss doit avoir un peu plus de RPO avec des slants ou des posts ou des quick outs qui sont intégrés ou de la hitch. Il y a un très bon jeu qui est une RPO all hitch qui est intéressante que j'ai dans mon playbook normalement, je crois. Ah bah voilà, je suis bête parce que c'est il y a différents types de RPO, donc il y a la RPO read et sur la pick, effectivement, on a donc là il y a une slant flat basique, une slant, skinny post slant. Voilà. Donc là, c'est une lecture différente. Encore une fois, hein, ça va s'afficher à l'écran en appuyant sur R2 et ensuite sur la alerte. Alors moi, je vous avoue que je connais pas la différence entre les différents types, entre le read, pick et alerte. Je sais juste que pour Wake Forest, ça s'appelle walk. Donc c'est RPO walk. Et là, c'est une read qui est hyper lente et qui vous laisse le temps de read correctement et qui se rapproche incroyablement de la réalité et qui est hyper, hyper sympathique à jouer. On va voir ça juste après. On rappelle qu'à cause des règles pourries de Hall of Fame, il peut pas y avoir, il peut pas y être, c'est ça. Alors que l'un des coachs qui a le plus grand influence sur le jeu actuel. Effectivement, le coaching tree de Mike Leach est assez impressionnant. C'est pas du niveau de Nick Saban, mais c'est voilà, c'est il a créé quand même quelque chose de beau. Effectivement, son le seul critère qui fait qu'il ne peut pas être au collège Hall of Fame, c'est son pourcentage de victoire. Et il est, je crois, 0,4% voire moins sous le pourcentage autorisé. Sauf que voilà, lui a joué dans des programmes qui n'étaient pas les programmes les plus faciles à avoir. Voilà, c'est. Mec, il est Texas Tech, Washington State, c'est pas des powerhouses du college football et il a quand même réussi à comme tu le dis, Celos, à changer à changer la face de ce sport. Et effectivement, moi qui ai eu le bonheur de côtoyer Mike Leach IRL pendant un court instant, ça a été. C'est vraiment dommage parce que c'est. C'était outre un très brillant esprit du football, mais aussi une incroyable personne et qui était déjà un plaisir de discuter avec, mais surtout un pour ceux qui sont fans de conférences de presse, je pense les conférences de presse ou les interviews les plus drôles de l'histoire du college football sont celles de Mike Leach. Oregon, du coup, oui, je crois que quelqu'un qui a dit quelque chose sur comme quoi Oregon était injouable un peu en ce moment, bah ouais, mais encore une fois, dites-vous bien que c'est l'une des top 3 équipes du jeu. Sur les premières dynasties ou quoi que les potes ont fait ou quoi, j'ai vu qu'Oregon était champion, je crois que c'est sur celle de Alex, Oregon a fait back-to-back sur les deux premières saisons du jeu. Oregon en recrutement sur ma dynastie c'est une folie, dit Titos, voilà c'est ça, hein, c'est top 1 clash chaque saison avec facile plus de 24 étoiles et minimum 4-5 étoiles. Ouais c'est ça, c'est. Après IRL on se rapproche un peu là, Oregon, Oregon en vrai se tape une vraie classe de recrutement sur ces deux prochaines saisons. Quand je l'aurai en fin des Texans, j'ai envie de tester avec les Cougars pour honorer Tank Dell et partir de loin. Ouais, c'est sympa, encore une fois, c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment faire des projets, en vrai, faire une dynastie sur Madden. Encore une fois, je dis, c'est pas mal sur Madden, mais ils ont une possibilité restreinte. Voilà, c'est 32 équipes et. Possibilité de college football, c'est que vous en avez de 134, quoi, et vous pouvez vous faire plaisir. Si je laisse cette année, je vais tenter un team builder avec une FCS, un bon gros défi, histoire de mes. Alors, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas encore le FCS. Donc, il y aura peut-être. C'est peut-être pour les années suivantes.
Parce que dites-vous bien que voilà, il faut, c'est déjà un énorme travail de la part des graphistes de EA pour faire tout ça. Faut savoir qu'ils ont mis les ambiances, les stades et tout de 134 équipes. Là, on n'est plus sur du 32 comme sur Madden, hein. C'est, il y a énormément de boulot derrière. Donc rajouter la FCS avec encore plus d'équipes, ça implique beaucoup de travail. La diff, c'est juste un read en plus. RPO read, c'est read option plus pass. RPO pick, tu as un pick player, tu lances en cours en fonction de ta réaction. Ok, là l'alerte, c'est du RPO classique. Merci Spartcoon, effectivement. C'est vrai que si je dis pas sur le pick, effectivement, c'est qu'on a du croisé dessus. Ok. Et alerte, c'est du normal. Ouais, en fait, ça dépend du. Si je dis pas de bêtises, ça dépend du. De ce qu'on fait aussi, de ce que fait la ligne. J'ai vu que souvent, il y a marqué RPO power ou quoi, donc. Donc ça doit être ça. Ouais, il a 59,6 et faux 60. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a des facs de FCS qui proposent les fichiers pour avoir leur effectif, logo et maillot. Ouais, ça, c'est l'os. Effectivement, c'est hyper cool. C'est hyper cool, effectivement, si on peut DL et qu'on peut créer ces équipes-là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, pas mal de FCS à télécharger, fait les facs elles-mêmes presque officielles, en sachant que vous pouvez remodifier vos conférences et tout, donc ça peut être intéressant. Donc, Texas Tech, on va jeter un œil. Comme vous voyez, beaucoup de jeux de passe. Qu'est-ce qu'on a? On a bon les trois jeux de l'Emery, on zappe, hein. On a pas mal de screens, donc vous avez de la slip screen classique. Vous avez cette mid screen que moi je ne connaissais pas et que je trouve fort sympathique, qui ressemble un peu à une jailbreak. Et donc en gros, on va laisser la ligne rentrer et on va jouer au milieu. Donc c'est pas une flanker screen qu'on connaît, hein, qui est ce genre de jeu où le receveur extérieur fait un pas vers l'avant, se retourne. On va voir qu'est-ce qu'on a. La jailbreak est comme. Non, la jailbreak, non, c'est laquelle là? Bah, il doit avoir ça quand même. Non. Bah, ah, si, voilà. En plus, ce jeu-là, le triangle, c'est un de mes jeux préférés. Voilà, donc là, c'est une screen classique avec un smash backside. Donc, on va jouer. Voilà, là, le receveur, il fait un pas, il s'arrête, il attend la balle. Et les receveurs vont bloquer pour lui. Donc, ça, c'est la screen basique. Moi, ce que j'aime bien, c'est si c'est de la cover 1. C'est que d'avoir ce smash backside, souvent quand je suis en 2 minutes drill, ce corner à l'opposé est absolument dévastateur. Là, je vais mettre une nickel cover 1. Je fais ça, je réattaque et en fait je joue. Ah, pff, alors le cut est hyper loin, ça m'énerve. Se fait presser, galère. Voilà. Et en gros, j'ai beau avoir une screen avec la ligne qui se barre. Enfin, la ligne se barre pas du coup parce que c'est les receveurs qui vont bloquer. Donc, effectivement, quand je lis cover 1 ou quoi que ce soit et que je sais que j'ai mon triangle de l'autre côté, comme la ligne reste, c'est j'ai une screen d'un côté, mais j'ai ce tracé corner qui est absolument dévastateur de l'autre côté. C'est vraiment sympatoche. Donc, on a vu la mid screen. Il y a les screens classiques que vous retrouvez sur les Madden, donc les slip screens, qui sont des screens plus classiques. Qui vont être pour le running ou le running feinte, laisse passer et la ligne qui décroche et le running va se cacher derrière ses bloqueurs et le running va se cacher derrière ses bloqueurs. Voilà, c'est du classique. On a le jailbreak qui est un jeu très très apprécié dans le college football. Là on l'a en formation, on est en stack à gauche où en gros voilà, vous voyez c'est presque comme la mid screen. Mais à la différence de venir chercher quand même un minimum l'extérieur, là on va se foutre en plein milieu de la ligne. Vous voyez, il y a vraiment toute la O-line qui décroche. Est-ce que j'ai le replay? Ah là, instant replay, parfait. Le problème de jouer à plein de jeux, c'est qu'ils n'ont pas tous le même style de caméra. Alors, de replay. Donc là, vous voyez, j'ai tackle gauche, garde gauche, centre qui décroche. Et j'ai même, je crois que ça doit être le tight end à droite. Le tight end qui feinte et qui vient en plus ramener sa fraise pour venir bloquer. Donc c'est des jeux qui sont très appréciés quand il y a beaucoup de yards à gagner. Quand on est en 3ème et 20 et que n'y a pas vraiment de jeux dans ton playbook qui peuvent t'offrir une première sur ce genre d'action et que tu veux pas risquer l'interception, bah tu tentes une jailbreak. Ou alors ça peut être une sorte de comme un shot play mais sans lancer la balle trop loin où tu sais que. Si c'est bloqué correctement contre une équipe qui est pas. Soit contre une équipe qui est très agressive, soit contre une équipe qui drop beaucoup et qui te permet à tes O-line de prendre de l'élan, bah ça peut être vraiment pas mal. Et puis après vous avez des screens un peu plus funky comme celle-ci, donc là déjà ça va blitzer à gauche. L'avantage c'est qu'on joue une screen, donc tant mieux s'il y a du blitz. Voilà, je vais avoir
La motion du joueur extérieur qui se rapproche, qui en fin de compte va repartir, on laisse rentrer. Ah oh bah oui, sauf que on bloque pas. Donc voilà, c'est il y a des jeux qui sont un peu plus déguisés, on va dire, avec des motions ou quoi que ce soit, mais on est là, on a une motion widescreen. Ah, je l'ai testé la widescreen aussi, qui peut être sympa. Moi, celle que j'aime bien, c'est la halfback screen. Je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors là, il y a quoi? Il y a deux receveurs. C'est assez simple. Si vous avez des receveurs qui bloquent, bah pas comme c'est que ça stack du coup, genre des receveurs qui prennent pas des pancakes par des DB. Voilà, c'est sympathique quand vous êtes en deuxième et médium. Hein. On va dire une passe incomplète en first down ou un gain de 1-2 yards, bah une petite halfback screen, c'est en swing, c'est sympa comme ça. Et ensuite, donc il y a une jailbreak, il y a une orbit, mais ça c'est une cross screen. Jailbreak, mid screen, voilà, vous voyez, c'est déguisé différemment, mais vous êtes plus ou moins sur la même. Il y a juste un jeu très sympathique que j'ai trouvé qui sera dans mon playbook. Donc là, vous voyez, le 12, il va faire semblant d'aller bloquer à l'extérieur, hop, et il va revenir. Voilà, ce jeu est absolument insane. Hein. C'est. Si vous avez. Là, en plus, ça a blitzé, donc c'est parfait. Il y a le même jeu, mais avec le backside qui va se cacher derrière le 3 par 1. Là, c'est vraiment sympa. Là, vous êtes en 3ème et 3. C'est presque un moins de vous faire tipper la balle ou d'avoir un mec en face qui attend ça. Vous avez une première presque assurée ou un low line qui bloque pas forcément. Ou si vous restez appuyé sur R2 comme un trimar comme moi. Donc voilà. Charles a tout répertorié sur le Discord pour les FCS. Bah oui, parce que Charles est un crack. Donc, pour ce, effectivement, là, vous avez le lien du Discord. Donc, vous pouvez aller sur le Discord et puis avoir toutes les informations, effectivement. Les play action qui sont des jeux que j'adore, mais quand on joue pas beaucoup de courses comme une Air Raid, ben les play action n'ont pas forcément le même effet. La PA Boot dont on a parlé hier, les jeux un peu comme la à gauche, là, la PA Counter Waggle et la PA Boot, où on a vraiment un flow complet de d'offense qui va dans le même sens, c'est vraiment sympa avec différents niveaux. Là, c'est sympathique. Bon, là, c'est bien défendu pour le coup. Je crois que j'avais oublié que j'avais la. Le X qui était censé être dispo. Ouais, Texas Tech, receveur, il commence à me gonfler vite fait. Donc du coup, voilà, juste faites gaffe. Après, je parle surtout si vous jouez au Oregon, par exemple. Dylan Gabriel est gaucher. Donc quand vous avez du bootleg, il faut penser à inverser, faire en sorte de booter vers la gauche, sinon ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc playbook assez sympa de T-Tech, si vous aimez bien jouer à la passe, hein, regardez. Il y a quelques jeux comme ça, et puis quand vous arrivez en quick game, alors c'est les jet pass souvent, d'accord? Et puis quand vous arrivez en shotgun, il y a 147 jeux. Vous avez de tout, donc du coup, pour voir, on va aller dans concept, on va faire. Voilà. Il y a beaucoup de jeux de medium, hein, et de deep. Le quick, voilà, vous avez du. Je trouve que c'est relativement bien fait sur le playbook. Moi qui galérais à chercher, vous avez par concept. Donc sur le quick game, vous avez le Ohio, Omaha, Scat. Scat sur le 3 par 1 qui est très intéressant, moi j'adore. Slant, notamment le jeu en X, là, le double slant avec un running back flat qui est très très bien, surtout contre la cover 2 ou contre la man-to-man, parce que vos deux slants vont faire du natural pick. Spacing, 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 mon bébé. Spacing, mon amour. Tiens, bon, on va le voir. Je suis pas. Ah, j'aime pas, c'est vrai que j'aime pas le design de Texas Tech. On va juste changer un truc, vous pouvez faire. Respot ball sur le mode training et vous pouvez spotter la balle absolument où vous voulez, que ce soit dans la profondeur ou dans la largeur. Donc voilà, là je comme je normalement j'ai une flat par le R1, là j'ai une quick out par le rond, donc du coup j'ai préféré décaler pour avoir plus de timing. Mais sinon voilà, c'est si vous êtes un joueur du flash et que vous regardez mes lives, et ben vous allez comprendre et vous allez pouvoir étudier mon playbook, et ben via Madden ou via College Football, c'est ça qui est bien, c'est parce que je joue exactement les mêmes jeux et comme vous pouvez le voir, c'est dévastateur. Et on va pas se mentir, ces jeux-là existent aussi en NFL. Les concepts, c'est des concepts universels, hein. Spacing, all hitch, curl flat, comeback, flood en 3 par 1, scat en 3 par 1, tout ça c'est du. Là, je vous donne des noms universels, d'accord? Mais après, forcément, pour les playbooks, ils vont les appeler différemment. Vous avez le Smash en 2 par 2 qu'on va voir aussi. Smash contre la cover 2 qui est très très bien. On verra dans des lives suivants où on aura beaucoup plus de gameplay. Où là, on va faire du technico-tactique. Où on va voir qu'est-ce qu'on joue contre une défense en cover 2, qu'est-ce qu'on joue contre la cover 3, cover 1,
quels sont les meilleurs beaters pour ces trucs-là, comment on gère le blitz, comment on va gérer les audibles. Je sais qu'il y a eu une demande là sur les commentaires sur Twitter des audibles défensifs. Donc moi je fais beaucoup d'attaques, mais on viendra aussi sur la défense. Donc là voilà, rapidement, hein, vous pouvez changer votre protection de passe si jamais il y a du blitz. Vous pouvez audibler en fonction du package, ça on va voir ça aujourd'hui. Et vous pouvez changer les tracés de vos receveurs. Ça ensuite, je vous avoue que le... Ça je sais pas forcément... Ah c'est les attributs, ok, je me demandais ce que c'était. Avec les stats et le wear and tear. Ok. Donc du coup des trucs ont été rajoutés. Dernière fois spacing. Ah, j'avais pas vu le rush. Ouais donc du coup spacing très très bon jeu. Et encore une fois effectivement j'ai vu Raphaël qui disait j'aime bien ce playbook. Pour les facs qui changent de staff, les playbooks ils ont fait comment? Alors dans quel sens tu entends? Pour les staffs qui viennent de changer IRL? Et du coup, comment ils font? Ou si jamais dans le jeu, pendant une dynastie par exemple, il y a un changement de coaching staff. Je t'avoue, dans les deux cas, je n'ai pas la réponse. Mais ça reste une très bonne question. À voir comment IS se débrouille en sachant que, par exemple, disons que je joue pour. Moi, je prends l'exemple d'il y a 2 ans quand Willy Ding. Si c'est Dillingham, est passé du côté de. Kenny Dillingham, pardon. Est passé de coordonnateur offensif d'Oregon à head coach d'Arizona State, ben tu te dis que voilà, s'il y avait eu ce changement maintenant, et ben t'aurais juste mis le playbook d'Oregon à Arizona State et t'aurais trouvé ça. Ah oui, genre IRL, genre Bama, ça ressemble à Washington l'an passé ou ça ressemble à Bama? Et ben on va voir ça, tu sais quoi, c'est une excellente question. On va aller voir le playbook de Bama. Juste après. Donc là on est sur le quick game. Medium, voilà, on a beaucoup de concepts. Et l'avantage, c'est que encore une fois, ben le football moderne, c'est ça, c'est les concepts, mais qui sont joués dans différentes formations. Alors là, pour Texas, il n'y a qu'un seul jeu avec la angle. Mais Smash, qui est ce concept de, qui est un cover 2 beater, vous avez tout ce qui se rapproche du Smash. Donc vous l'avez en le jeu triangle, par exemple, où c'est inversé par rapport au Smash traditionnel. Le Smash traditionnel ressemble, j'essaie d'avoir un jeu qui se joue des deux côtés. Voilà, le Smash All Back Check que vous voyez en jeu carré, ça c'est un Smash traditionnel, d'accord? Après vous avez le Counter Strike, Counter Strike, super. Le Corner Strike qui est une variation de ça, mais en fait on inverse juste les responsabilités. Il faut juste se voir par rapport à ce qu'on appelle des landmarks, ce qui veut dire que il nous faut un joueur qui va dans le flat et un joueur qui va aller dans le trou de la cover 2 sur la sideline. Juste, on va inverser les responsabilités. Et on devrait avoir. En plus, on a le smash. Le spot and go que vous voyez en carré. Qui est en vrai, dans mon playbook IRL, l'un de mes jeux préférés contre la cover 2. C'est absolument énorme. Contre des corners très agressifs. Et j'essaye de chercher. Je ne vois pas d'inside fade. Alors, je crois que l'inside fade, ils l'ont classé dans un autre. Dans une autre catégorie et pas dans Smash. Donc vous avez des double moves aussi. Donc la spot and go. Puis là il y a une PA shot. Il y a de la drag under avec un double move. Il y a une slow go sur la slot drive. Ok. Drive hein, qui est un concept bien que moi je joue IRL que j'aime bien. Et qui est très très bon pour trouver du deep shot ou de la dig en dessous. Pivot. Salem. La slot cross, souvent sur la play action. Peut-être dans Deep Pass. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais noté des choses pour Texas Tech. Ils ont la River Pass. Effectivement aussi. Ils ont la River Pass. Dans quoi elle est classifiée? Elle est en Shotgun White Trips Weak. Alors, du coup, on va aller chercher dans Formation, Shotgun. White Trips Week, et effectivement, on a la reverse. Donc là, on est sur de la reverse classique. Donc on est sur de la reverse appelée et on peut rien faire. On va jouer à la reverse et on se débrouille et on peut rien y faire. Mais on a aussi la reverse pass. Alors il y en a plusieurs qui existent parce que je sais que celle que moi j'ai n'a pas ce schéma de tracé. Donc on va jouer la reverse, ça revient là et on va jouer la passe. Moi j'en ai une où c'est le QB sur un. Je crois qu'elle est en. Que je sais pas, sur de la Wildcat Unbalanced.
On ira la voir après. Oh, bien couvert. Sur de la Wildcat Unbalanced, il y a une reverse où, où justement, au moins c'est le QB qui lance. Donc voilà. RPO, j'essaie de voir. La double passe, je l'ai montré hier, mais je crois que Texas Tech là en plus, c'est ça le pire. Et c'est peut-être dans Play Action. Non. C'est pas dans Play Action. Tant pis, peut-être Screen, parce qu'à la base c'est une Screen. Vous avez la Fake Screen, Will, qui sont des jeux intéressants si jamais vous jouez beaucoup de Screen, bah comme sur de la. Comme la Red IRL, hein, et que vous avez des gars qui réattaquent, et ben. Vous avez le joueur intérieur qui va feinter le bloc et qui part ensuite en slot fade et qui peut se libérer, surtout s'il a un match-up contre un backer sur un personnel de base. Fake screen wheel, j'essaie de voir est-ce qu'on n'a pas une bubble screen. Et mid screen, non, on n'a pas. Je m'étais pas noté là, où est-ce qu'elle était? Et donc du coup voilà, vous avez beaucoup 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 de jeux de passe avec tous les concepts que vous voulez. Et ensuite vous pouvez, quand vous allez dans la personnalisation du playbook, vous pouvez personnaliser un playbook que vous aimez. Si par exemple là vous aimez bien celui de Texas Tech, mais qu'il y a des formations que vous aimez pas parce que vous avez du mal. Moi je sais que par exemple, bon là il y a de la pistole. Si jamais vous aimez pas de la pistole, bah il y a qu'une seule formation, c'est de la pistole trips. Vous pouvez l'enlever. En shotgun, moi je sais que j'ai du mal à jouer avec de la stack. Donc là, vous voyez, on a du stack dessus. Je me demande si, comme c'est de la R-Red, ils ont pas de la double stack. Voilà. La formation double stack, c'est ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à jouer là-dessus. Je l'aime bien pour le box count. Dans des situations comme ça, ou si jamais c'est vraiment avec un package d'audible. Parce que des fois, il y a des défenses qui vont rajouter un défenseur d'un côté. Donc vous allez avoir. Vous êtes en 3 contre 2 d'un côté, mais ça veut dire que vous allez être à 5 contre 5 dans la boîte, ce qui peut être assez intéressant. Donc là c'est de la all fade hein, donc c'est un peu chiant à jouer. Mais on arrive à compléter quand même, magnifique. Mais voilà, je suis pas fan de la double stack, donc je l'ai pas mise dans mon playbook. Et par exemple, vous voyez, si jamais je me disais putain je kiffe le playbook de Texas Tech, mais je peux me permettre d'enlever tout ce package. Il y a quand même des jeux vachement intéressants, vous verrez que ça reste quand même le. Des concepts qui restent les mêmes, vous avez du smash, vous avez du flood, vous avez du drive, vous avez du spacing, vous avez du all hook ou de la hook dedans, vous avez, voilà, c'est en fonction de ce que vous préférez jouer, est-ce que vous préférez le 3 par 1, moi je sais que j'aime bien la empty. Comment vous préférez la empty? Là il y a de la empty avec un bunch, là il y a de la empty avec un Y, donc déjà ça veut dire que vous avez un tight end. Moi je me suis mis de la empty avec une formation à 5 receveurs, mais est-ce que, dites-vous bien qu'on est sur college football, donc à moins d'être dans une dynastie où vous avez beaucoup de très bons joueurs avec du développement ou du recrutement, il y a très peu d'équipes NCAA qui peuvent se permettre d'avoir 5 receveurs de bon niveau, même moi qui joue avec Oregon. Donc c'est pour ça que peut-être que les formations en empty avec tight end, voire sur du base, est-ce qu'il y a du empty base, je sais que j'en ai avec Oregon, ou en gros vous êtes sur du personnel 11 classique. Et c'est un running, votre running titulaire qui va jouer en slot côté faible. Donc voilà, donc Texas Tech, assez sympa, si vous aimez la passe. À outrance surtout, d'accord? Sachez que vous avez la même, je crois, avec Washington State et Western Kentucky, donc qui sont des playbooks de R-Red. Donc voilà. On va faire maintenant. Je vais vous montrer mon playbook. Ah non, on a dit qu'on allait voir. On va aller voir Bama. On va aller voir Bama. Eh bah ça tombe bien du coup parce qu'en plus il nous donne Washington comme adversaire. Donc du coup c'est thématique. Puisqu'on va aller voir le nouveau playbook de Bama et ce qui ressemble à l'ancien de Washington justement. On est bien sur le playbook de Bama et on va voir ça tout de suite. J'ai pas encore commencé le mien mais je pars sur une base Bama avec du Texas Tech justement. Ouais. Après encore une fois la diversité des jeux et le nombre de jeux formations disponibles est tellement varié. Qu'en vrai, il y a très peu de chances que vous jouiez avec votre playbook 1.0, entre guillemets, d'accord? Vous allez forcément, vous allez modifier des trucs, vous allez modifier des packages. Dites-vous bien qu'il y a la partie game plan aussi, qui est en gros, vous classez les jeux que vous voulez en fonction de la situation. Première et 10, deuxième et short, troisième et long, quatrième et goal. Et en gros, vous allez mettre les jeux que vous voulez jouer dans ces situations. Et en fait, ce sont les jeux que l'ordinateur va vous proposer quand vous aurez les suggestions de coach.
les trois propositions que vous avez. Et vous pouvez ranker ces choses-là. De toute façon, voilà, c'est quelque chose qui existe déjà sur Madden, donc normalement vous connaissez déjà. Et qui vous permet de gagner du temps et de ne pas avoir à chercher les jeux que vous voulez ou quoi que ce soit. Alors, formation. On a un peu de tout, c'est un playbook qui est assez varié. Voilà, là on a quand même un personnel avec du under center qui n'est pas du goal line. Donc c'est relativement restreint, hein. Il est possible de créer un jeu. Alors non, c'est quelque chose dont je rêve depuis des années où j'aurais juste très simplement mis mon playbook à moi avec tous mes délires de trick play dedans. Faut savoir que j'aimerais bien me créer un playbook. Alors non, du coup c'est un playbook que je ne pourrais pas partager, mais c'est le playbook qu'on a au Flash. J'aimerais bien qu'on puisse essayer de le créer. Et c'est bête de dire ça, mais en fait on a pas mal de joueurs qui sont des jeunes. Je sais pas si je pense aux juniors, aux cadets, qui potentiellement ont le jeu, et en fait tu leur dis bah tiens voilà on a notre playbook dessus. En fait c'est. Les gens ont tellement de manières différentes d'apprendre. Moi je sais que j'apprenais différemment, je suis quelqu'un de très visuel, et en fait là par exemple la PA Boot Slide que je vois là, en fait disons que j'avais juste à la regarder et ensuite ça se mettait devant mes yeux entre guillemets. J'avais cette imagerie mentale qui me permettait de m'en souvenir. Donc j'avais vraiment besoin de cette visualisation. Et il y en a qui préfèrent être sur le terrain, sur de l'install basique, mais il y en a qui préfèrent être en salle. Et avec les générations qu'on a aujourd'hui, je pense que Madden et NCAA College Football sont pas des outils qu'on devrait négliger. Et je pense que ça peut être vachement utile. Et pour les gamins qui n'ont pas forcément qui ont des difficultés à apprendre, on va dire de manière scolaire, bah ça c'est une manière ludique aussi d'apprendre et ça peut servir. Moi je vous avoue, hein, j'ai fait du, il y a des jeux, des concepts de base à la passe, notamment spacing dont on parlait tout à l'heure, où bah en fait dites-vous bien que je peux faire un meeting de 2 heures par exemple juste sur ce jeu-là. Attendez, je vais même faire hyper simple. Le bah voilà, en fait single back tight dive, c'est un jeu que moi je joue. Voilà, si vous dites en face c'est de la 43, il joue la cover 2, enfin cover 1, d'accord? Vous voyez l'alignement, et bah ça me permet de voir comment sont alignés les gars, comment ça va bloquer, qu'est-ce qu'on est censé faire. Je fais dérouler le jeu, peu importe ce qui se passe, d'accord? Et ensuite je vais dans. Ah, je n'ai pas le replay, si. Il n'y a pas le replay, tant pis, on va peut-être attendre le prochain jeu. Voilà, instant replay. Et donc là, moi je peux dire, je regarde ça et je dis, bah écoute, voilà, là il y a le double team, on est bien. Mais par contre, bon là du coup il se fait battre, c'est un peu relou, faudrait limite mettre une difficulté facile pour pas que les O-line se fassent battre, pour qu'on ait le schéma qui s'affiche. Mais voilà, là si le bloc est bien fait par le centre, le blocking scheme est pas mal et donc je peux coacher dessus, les receveurs à l'extérieur bloquent ce qu'il faut. Voilà, je peux coacher avec ça, donc ça peut être sympa si jamais, et je dis ça, je parle du Flash, mais quand je dis on, c'est la communauté football américain en France, hein. C'est si jamais il y a des coachs qui nous regardent ou des gars qui veulent coacher, qui ont l'intention de coacher, ou il faut pas négliger, il faut qu'on fasse avec les outils qui sont à notre disposition, il faut savoir vivre avec notre temps aussi. Et je crache pas sur les playbooks papier. Moi je sais que j'ai commencé avec un playbook papier de 100 et quelques pages. Bah ouais, il y a des fois c'est. Ça peut être chiant pour certains. Moi ça me dérangeait pas, mais ça peut être chiant pour certains. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Raphaël, tu joues qui me demande si je joue au Flash. Alors je ne joue plus au Flash, mais mon époque de joueur est malheureusement révolue, dû à des problèmes de blessures. Les croisés, tu connais, hein, la fameuse blague, mais non, du coup j'avais d'autres blessures, c'est pas les croisés. Mais du coup je coachais jusqu'à cette année, mais là je prends une petite année sabbatique, parce que voilà, le football. C'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps et malheureusement le travail ne me le, et la vie privée ne me le permettent plus forcément. Donc je prends pour la première fois depuis 10 ans une petite année pour moi et donc j'en profite. Mais après voilà, je prends une année pour moi et au final bah, je vais me retrouver à jouer à NCAA College Football et à vous faire des vidéos, des lives YouTube, des lives Twitch. Et donc du coup ça change pas parce que je reste quand même dans le football. Donc ce playbook de Bama et j'aime bien la PJ de sweep là. Sympathique comme jeu, on est en formation tight. On a la play action. Oh, la feinte du QB est très très belle. Oh là là, c'est un délice. Et voilà pourquoi j'adore le under center, malgré le fait que j'adore le shotgun. Mais l'under center reste un délice, notamment pour ces choses-là. Voilà, les feintes du QB, quand on a un QB qui sait très bien manier la balle.
C'est un régal. Et c'est aussi pour ça que la pistole a été créée, parce que la shotgun, on se retrouvait avec les. Avec le running qui est sur le côté, ben la pistole, en fait, on se retrouve avec le tailback qui est derrière le quarterback et qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité sur les play action et notamment cette. Comment dire? Notamment cette mécanique de QB qui va tourner le dos à la défense et qui va pouvoir faciliter la feinte. Voilà, là j'ai le boot. Oh, il est sorti. Merde. Mais alors du coup, ce qu'on va faire, je vais l'inverser. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, là c'est un boot sur la gauche, mais j'ai un QB droitier, donc ça m'arrange pas forcément, même si Milrow est bien noté. Voilà. Et je vais aller de mon côté, là je vais prendre mon outlet avec le petit R1. Comme ce que j'essayais d'expliquer hier, ne pas. Je sais qu'on essaye toujours d'aller chercher le touchdown, mais là c'est moi le cordeau qui vous parle. Voilà, quand on lit un jeu, on va à ce qu'on appelle touchdown to checkdown. Donc là, effectivement, le. Alors là, ça sent le blitz à mort. Voilà, là, heureusement ça croque. J'avais pas grand chose. C'était bien couvert. Donc on va from touchdown to checkdown. Donc si jamais j'ai pas le touchdown, ben je prends mes lectures en descendant et en me rapprochant de la ligne de scrimmage. Et donc si jamais il n'y a rien, ben je vais prendre le checkdown. Si vous avez des. Alors là du coup ça joue avec un tight end un peu fullback. Donc ouais les yards after catch vont pas être faramineux. Surtout avec des catchs comme ça. Mais voilà, y a du yard after catch qui est prenable, donc ne pas négliger ça. J'étais en retard pour le carré là. Donc voilà. En France, je suis pour le flash meilleure équipe. Très bien, très très bon choix. Ouais, c'est ce que. Là, la Packer, c'est ce que je pensais, tu vois. Je vais même pas lire ton message. Mais quand je l'ai dit, quand je me suis rattrapé dans ma tête, je me suis dit merde, j'ai. Vraie grosse boulette. ouh, un jeu en pistol wing. Ouh, sympathique ça. Sympathique, donc je vais. Jouer, parce que du coup, je vous dis pas lequel je joue, voilà. Pied slide avec notre fullback qui va passer, je pense, en dessous de la ligne. Voilà, on feinte tout le monde. Ah, il est en read. Oh zut. Ok, d'accord. Je n'avais pas, pas considéré ce. Ok, faut quoi? Faut que je reste appuyé pour l'avoir. Parce que là en fait j'aimerais bien jouer sur le Y qui part en dessous de tout le monde. Je garde. Ah ouais. Alors, si vous me laissez 2 secondes, je vais faire un truc. Je vais faire choisir nouveau jeu et en fait je vais aller dans mon petit fichier parce qu'en fait je suis en train de donc du coup de modifier mon playbook, je rajoute et j'enlève des choses au fur et à mesure de ce que je découvre et je vous avoue que ce jeu-là. Bah, du coup ce que j'aime bien faire c'est que là il y a 12 jeux et j'aime bien cette j'aime bien ce que propose ce package et en fait j'adore le jeu donc on va rajouter le c'est pour moi donc je me note pistol wing flex c'est quoi c'est close c'est ça close je vais me mettre package à ajouter et en fait je vais le rajouter à mon playbook parce que voilà alors souvent il y a un jeu que je kiffe un peu comme celui-là j'en ai un qui ressemble à ça. Que j'ai montré hier je crois mais celui-là je le trouve limite mieux parce que j'adore le fait de passer sous la ligne comme ça ouais. C'est ça aussi qui est compliqué avec la RPO c'est que le timing du lâcher pour faire la passe est un peu compliqué. Encore plus d'air. Voilà. Donc il faut vous dire que vous pouvez pas rajouter un package dans votre playbook parce que vous aimez bien un jeu. C'est. Alors là, je parle en tant que coach, hein. C'est toujours mieux d'avoir un package complet, ce qui veut dire que vous pouvez jouer du no huddle et vous pouvez jouer un zone weak. Là, vous voyez, il y a la jet pass avec la fin de deux zones, il y a le zone avec la fin de deux jets, vous avez la RPO carrément, vous allez lire le est-ce que vous jouez la jet ou est-ce que vous jouez la course QB ou est-ce que vous jouez la under. Vous avez la play action, vous avez le counter, vous avez du quick game sur le spacing, vous avez de la stick. Donc. Toi qui regardes, on est toujours limité à 500 plays. Oui, on est toujours limité à 500 plays. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 15 formations et 50 packages. Donc, alors formation, c'est ce qu'on a dans formation. Donc, c'est gun, pistol ou single back ou quoi. Et ce qu'ils appellent package, ou c'est pas package, c'est un autre nom. C'est le. C'est voilà, split twin offset. Ça, c'est un package et je crois qu'on a le droit à 50. Et après, donc du coup, j'essaye de regarder ce que Bama propose et est-ce que ça se rapproche de ce que faisait UW l'année dernière. Après, ce que j'essayais d'expliquer hier, c'est qu'il y a une différence entre un playbook et un game plan.
Parce qu'en fait, ce que vous voyez d'une semaine à l'autre, eh ben, tout ça, ça fait partie du playbook, mais il y a des jeux que vous ne verrez que telle semaine, il y a des jeux que vous ne verrez que contre certains types d'équipes ou quoi que ce soit. Donc, c'est. Attendez, est-ce qu'ils ont un jeu en 2 par 2? Excusez-moi, je cherche quelque chose. Normal, non. Normal. Oh, Switch Sim, c'est bien ça. Ça switch pas tellement, donc c'est pas fou. Twin Normal Way Off, non. Donc, en fait, c'est la difficulté, c'est qu'en fait, quand tu crées un playbook pour une équipe, pour moi, mis à part les équipes qui ont vraiment une spécificité, comme les raids, comme les académies militaires, en fait, il y a des playbooks qui sont pour la plupart le plus diversifiés. Je pense que EA a quand même essayé de se rapprocher au max de ce que faisaient les équipes. Maintenant, dites-vous bien que, je sais pas, là, on est sur Bama. Dites-vous bien que si Bama joue vraiment de la shotgun bunch open offset, donc cette formation-là avec un bunch wide comme ça, avec le running côté bunch et le receveur à gauche, le X qui est un peu plus rapproché, les jeux qu'ils vont mettre dedans, ben ça arrive des fois que, bah, je sais pas, Bama ils vont jouer cette formation 3 fois dans le match contre Florida et c'est parce que c'était game plan spécifique ou quoi, donc on se dit, bah ouais, mais moi, nous on a créé ces jeux, on a créé tout un package parce qu'il y a d'autres équipes, je sais pas, est-ce que Washington justement, est-ce que Washington jouait ce package mais avec beaucoup plus de jeux qu'ils ont montré ces 2-3 dernières années? Donc du coup, ben, si on met le playbook de Bama, ben, on va pas mettre que les 3 jeux, du coup, ben, on leur met tous les jeux du package qu'on a créé avec cette formation-là. Donc il y a certaines personnes qui vont dire, ouais mais regarde, le draw dans cette formation, ils l'ont pas joué depuis 10 ans. Ben oui, mais bon, après derrière, dites-vous bien que EA crée un jeu, ils ont une logique à suivre aussi. Donc je pense que c'est difficile de se dire pour les équipes plus équilibrées, est-ce que ça se rapproche de la vérité? Est-ce que, enfin, de la réalité, pardon, c'est un peu plus difficile à juger. J'essaie de suivre vos questions. Toi qui regardais, on est toujours limité à son play. Oui, difficile de coacher. Oui, faut juste sur. On est sur un sport qui est un peu niche en France quand même, on va pas se mentir. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai appris le football avec Madden hein, à l'époque. Hein. Je me suis vraiment mis dans le football américain, j'ai appris les règles et j'ai même appris l'anglais carrément avec Madden parce que les jeux de foot US EA n'existent pas en français. Donc ça fait aussi partie d'un certain apprentissage ludique hein, et hors cadre comme je parlais tout à l'heure. Par contre, ce que je viens de dire, j'essaie de mettre un bémol dessus. Il y a une différence entre apprendre les bases du sport via Madden et coacher comme Madden. Là, par exemple, si jamais la Z-Spot, qui est un jeu que moi j'adore. Il y a une différence entre dessiner un jeu, dire à tes joueurs, vas-y les gars, aujourd'hui on va jouer la Z-Spot. Tu dessines et tu leur dis, les gars, vous faites ça. Mais après, les gars, ils sont dans une situation. Bah en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on lance quoi? Est-ce que je vais modifier mon tracé? Là, vous voyez déjà, vu l'alignement, je pense qu'il y a un blitz quelque part. Parce qu'un alignement en 3 par 3 comme ça face au bunch qui est assez écarté, c'est assez bizarre. Ou alors on est sur de la zone, mais là, les deux trucs en haut sont un peu bizarres. Donc qu'est-ce qu'un tracé hot? Est-ce qu'on va modifier son tracé en fonction de la position du défenseur? À ton QB, qu'est-ce qu'il va lire dans cette situation? Quel est son tracé primaire? Madden te dit que c'est le rond, mais Madden te dit que c'est le rond quelle que soit la cover d'en face. Parce que quand tu vas classer par joueur, eh ben là c'est qui? C'est low. Et ben quand tu vas classer, tu peux choisir les jeux qui sont faits pour tel joueur dans Madden. Putain, je dis Madden depuis tout à l'heure, excuse-moi, j'ai assez l'habitude. De NCAA College Football 25. Donc du coup, ouais, c'est ce que le jeu propose, mais en soi, sur certains jeux, ben, je vais jouer mon carré en principal. Là, je sais que je suis en 1 contre 1. Bah désolé, mais 1 contre 1, pas de. Ouais, elle est mal jouée la passe. 1 contre 1, pas de safety. Je sais que bah, je vais jouer ma poste si jamais j'arrive à gérer la pression. Là, j'ai un safety en plein milieu. Déjà, je sais que mon tracé poche, je vais l'oublier parce qu'il est pile dessus. La seule situation, c'est si j'ai un safety qui va s'écarter très rapidement sur mon tracé corner et qui va me laisser en 1 contre 1. Mais là, je suis en 3 contre 3 sur le bunch. Je sais que j'ai des tracés croisés. Voilà. Je vois la tête de bunch qui suit, qui ouvre les hanches. Ça va créer un pic naturel. Bah voilà, je vais jouer mon X. Et bah, toutes ces situations, ça s'apprend aussi. Et je déplore malheureusement, et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis, beaucoup de coachs, que malheureusement sur les terrains le week-end à notre niveau, à notre petit niveau, alors je parle pas du niveau élite ou D2, j'espère pas que ça se passe, mais je sais que à des niveaux un peu plus bas, il y a ça qui se passe malheureusement, ou que ce soit offensif ou défensif, c'est ah tiens putain, il y a un bête de jeu sur Madden, je mets 50 c, je mets 3 TD comme ça sur chaque match fut,
ou MUT ou ce que vous voulez en Ultimate Team, bah du coup vas-y viens on va le jouer. Bah non en fait c'est pas ça la vie parce que du coup toi tu sais comment tu le joues, t'as des trucs automatiques, t'as des réponses automatiques de l'ordinateur ou quoi. La vraie vie c'est pas ça, donc c'est ça aussi le bémol qu'il faut mettre et savoir comment apprendre, hein. La fédération propose des formations pour le coaching, par rapport à ce que toi tu faisais au Flash par exemple. 500 c'est beaucoup ou pas? Alors dites-vous bien que là il n'y a pas beaucoup de concepts mais qui est sur énormément de formations. Là regardez sur Bama il y a attendez on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 formations de shotgun parce que c'est 18 maximum sur le shotgun. Donc je vous rassure, même en Flash en Elite, Paul Durand n'a pas 18 formations différentes en shotgun. Très peu d'équipes à notre niveau ont 18 formations en shotgun. En ELF, ils n'ont pas 18 formations en shotgun. D'accord? C'est juste que voilà, sur les playbooks professionnels, et je considère maintenant le college football comme professionnel, il y a cette diversité qui peuvent se permettre. Moi, si jamais je recréais mon playbook, en sachant que je peux me permettre plus de diversité que ce que je fais, si jamais je veux faire mon playbook, je pense que je me rapproche des. Pff, si vous considérez que des fois il y a le running qui va jouer d'un côté, je sais pas, sur une formation spread, là le jeu nous propose d'avoir le running à droite ou le running à gauche sur une formation balancée, comme celle-ci, comme celle qu'on a là, sur la spread ou high slot. La Willys, très très bon jeu, sur de la cover 3, sur du deep. Et j'ai de la hitch sim et je n'ai pas ma vertical fade. Enfin, la. Slot fade que je cherche depuis tout à l'heure. Donc non, moi je pense que je me rapproche des, je devrais me rapprocher des 300 jeux. Après, il faut se dire aussi qu'il y a des jeux que je ne joue pas parce que pour diverses raisons. Mais si c'est mon playbook à moi complet, oui, je pense que je me rapproche des 300 jeux. Après, comme j'ai dit, je réduis en fonction de qui j'ai dans mon équipe d'une année sur l'autre. Bah, l'année dernière, j'avais pas de fullback par exemple, ou il y a 2 ans, j'avais pas de fullback quand j'étais coordonnateur offensif. Bah, en fait, bah, tout mon personnel 21 a disparu. Parce que où j'avais pas de tight end. Je crois que c'est cette même année j'avais pas de tight end, pas de fullback, et ben je me suis dit ben on va jouer du personnel 10, on va se débrouiller avec ce qu'on a, avec nos receveurs, on va se baser sur les receveurs, on va mettre peut-être plus de formation, on va jouer du bunch, du 2x2, du 3x3, du trips du coup, du spread, est-ce qu'on va mettre des formations avec deux backs mais avec un receveur dans le backfield, peut-être avec deux running backs. Voilà, c'est des choses à voir aussi, et ce que je vous dis c'est il y a une différence entre le playbook et le game plan, est-ce que comment on va jouer? Moi, ça m'arrive des fois à notre niveau. Ton playbook, toute ton année, tu t'es entraîné pour jouer du personnel 11. Donc, avec 3 receveurs, un tight end, un running back, et ben t'as ton running back qui a un mariage ce week-end-là. Ton tight end, pardon, qui a un mariage ce week-end-là, bah t'as pas de tight end pour ton match. Et ben si jamais tu scoutes, tu dis ah putain, cette équipe-là, il joue sans tight end. Non, c'est juste que sur ce match-là, ben, on s'est débrouillé sans tight end. Et donc, on avait une partie du playbook qui était sans tight end, et donc on s'est concentré sur ça. Django, salut, j'arrive enfin à t'attraper sur Twitch à défaut de vous lire sur Twitter. Bah c'est cool, ravi de t'avoir en tant que première fois sur le chat. Bienvenue parmi nous. Tourne avec quoi 50% du playbook en vrai? Ouais, je vous avoue que sur le jeu, c'est pour ça que j'essaye de réduire. Bah c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que j'ai mis tout ce qui me paraissait attrayant et puis j'essaye de réduire, j'essaye de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas jouer? J'aime bien avoir des jeux qui sont complets. Et que j'arrive à jouer sur beaucoup de choses. Par exemple, si jamais je vous prends. J'essaie de prendre un jeu diversifié que j'aime bien. Par exemple, la Motion Y Cross. Non, il y a une Motion, ça va me faire chier. On va perdre du temps pour rien. Y Slot. De la Curl. Tiens, Flanker Dig. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, donc là, du coup, je suis sur de la Hover 43. Je vais me revenir en arrière. Là, si vous appuyez sur L3, ça va mettre Random Play. D'accord? Donc ça va. Ça va mettre un jeu random parmi toutes les formations qu'il y a sur le playbook défensif que vous avez mis. Et en fait, pour moi, ça veut dire que quand je vais taffer mon jeu, là, je vais taffer que ce jeu-là. Vraiment, que ça. Et en fait, le jeu, à chaque fois que je vais recommencer, il va me donner une formation défensive différente, avec un blitz différent, une cover différente. Et moi, ça me permet de voir ce jeu encore et encore et encore. Est-ce qu'il est potable sur de la cover 3? Est-ce que quand il y a du blitz, comment je gère? Quand c'est de la cover 2, où est-ce que je joue? Là, par exemple, ce jeu-là, vraiment, je crois que je l'ai joué hier potentiellement. Là, je sais que moi j'aime bien la curl ici, surtout sur la cover 3. C'est quelque chose que j'aime bien, donc je sais que je vais jouer la curl. D'accord? Là, je sais que j'aime bien la curl. Alors, du coup, je l'ai très mal lu parce que je me suis trompé de touche. Mais du coup, vous voyez, j'avais un joueur à gauche. Là, je sais que j'ai un blitz. Voilà. Là, j'ai un joueur qui descend, j'ai un blitz. Donc, je sais que en général, on demande de jouer
du côté du blitz. On va jouer sur les tracés qui remplacent le blitz. Donc là, je sais que je vais jouer à gauche, potentiellement entre mon curl et ma T-swing. Donc là, ma T-swing, je vois que ça libère. J'ai un contre 1 sur ma curl. Je prends ma curl, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre de la too high. Donc là, j'ai deux safety en haut. Formation qui est un peu décalée. Là, j'ai de la presse à droite en tech externe et de la soft à gauche. J'ai pas l'air d'avoir de blitz. C'est potentiellement de la cover 6. Donc, du coup, comment je vais jouer la cover 6? Voilà, c'est exactement ce que j'ai. Ah merde, je pensais qu'il allait jouer dig. Je me suis trompé de. J'ai inversé les tracés. Mais donc, du coup, voilà. Là, je vois une rotation. Donc là, il y a deux possibilités. Soit je vais avoir un blitz. Je pense qu'il y a un blitz du joueur où il y a la petite flamme là. Et c'est le joueur qui est sur la hash mark de gauche qui va le remplacer. Donc il y a des chances qu'on ait de la blitzman. C'est l'inverse. C'était le joueur en haut qui a blitzé. Alors ça m'arrange parce qu'il a blitzé de très très loin. Mais du coup, effectivement, bah, je joue la shallow parce que je sais que c'est un tracé hot. Là, on est sur un truc classique, mais je vois qu'il y a potentiellement du blitz. Hein. Les petites flammes, c'est ça. Non, j'ai pas de blitz. Ok, on joue classique. Pareil, j'ai la curl avec un corner de cover 3 qui drop. La curl, c'est all day. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai un curl to flat player de ce côté-là, et ben en fait, j'ai ma T-swing qui va tellement le faire avancer. Là, je la joue, mais je pensais qu'il allait rattraper. Donc du coup, c'est une passe un peu compliquée. Je pense que une difficulté un peu plus haute que Varsity, ça passe peut-être pas. Du coup, là, j'ai mon Mike qui feinte le blitz. Qu'est-ce que je vais faire? Il drop. Ok, parfait. J'ai ma shallow en dessous. Oh, le bloc, ouais, qui est pas fait, mais bon, comme c'est des tanches en face, voilà, ça passe. Donc du coup, vraiment, je tourne ce jeu. Il y a des jeux hier que j'ai tourné peut-être 20, 25, 30 fois. Et que, bah, si jamais ça me convenait pas, je vous ai dit, j'ai un petit fichier, je me notais littéralement la formation, le jeu, et je mettais à supprimer. Ou alors, s'il y avait des packages que je découvrais, bah, en regardant Texas Tech ou quoi que ce soit, ou d'autres équipes, bah, je me mettais à rajouter, des fois tout un package, des fois juste un jeu. Et donc du coup, c'est comme ça que je crée mon playbook. Même pas, j'ai vu, t'as 60 snaps sur un match en 8 minutes en gros, ouais, c'est ça. Après, ça dépend combien de temps vous jouez. Sur une saison plutôt, tout dépend qui tu joues et comment tu joues, ouais. Après, je sais que. Enfin, je sais pas exactement comment ça va se passer sur Ultimate Team, mais pour ceux qui sont plus en ligne sur Ultimate Team, est-ce qu'il y a des méta, est-ce qu'il y a des trucs comme ça, je sais pas du tout, donc faudra voir. Perso, c'est mon flat player en fin de situation, vu le terrain que les DB doivent couvrir, je me souviens de son playbook. Crise, première fois dans le chat. Salut, salut. Salut, tu penses que les gens resteront sur ce jeu et switcheront sur Madden? Parce que j'hésite à acheter celui-là ou à attendre Madden. En soi, comme je disais au début du live, c'est que je trouve ce jeu plus fluide et je le trouve beaucoup plus agréable à jouer. Et la diversité d'équipes te permet tellement plus de prendre ton kiff, je trouve. Donc c'est honnêtement, après encore une fois, on est biaisé chez The Trick Play parce qu'on est un pod NFL et. Oh là 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 là, je vais me faire taper sur les doigts. On est un pod college football, pardon. Et donc, du coup, bah ouais, on est biaisé forcément du côté de NCAA college football, mais. Moi, forcément, je te dirais de prendre celui-là et pas forcément Madden. Mon partenariat Madden te dirait de prendre les deux, parce que si t'es un fan de football, voilà, tu. J'ai des potes hein, qui ont les deux, hein. Certains ont les deux, je sais que Ryan a les deux, j'ai d'autres potes qui ont les deux. Mais si tu peux te permettre d'en prendre qu'un. Moi, je t'avoue que forcément, mon cœur balance vers College Football 25. Il y a un public pour les deux aux US, effectivement. Tu penses qu'il y aura une commu équivalente en nombre sur les deux ou pas? Alors, la commu américaine, oui. La commu internationale, j'ai un peu plus de doutes. Parce que, ben, forcément, le College Football a moins de rayonnement à l'international. Ça se développe, hein, on va pas se mentir. On voit bien en France avec Bein qu'on a quand même pas mal d'améliorations sur les dernières années. Ça permet, et je pense qu'il y a ça dans les autres pays aussi, donc ça permet une plus grande visibilité de ce magnifique sport qu'est le college football, et je dis le sport qu'est le college football parce que je fais référence à ce que Gus dit beaucoup, dit très souvent, c'est que le college football est un peu un sport à part entière. Donc voilà, c'est comme quand, de la même manière qu'on différencie par exemple le rugby à 15 et le rugby à 13, et ben pour nous on différencie vraiment le pro football qu'est la NFL et le college football qu'est la NCAA. Donc voilà, largement le college football a l'avantage d'avoir plus d'équipes, voilà ce que j'ai dit, d'être le premier jeu sur l'universitaire depuis plus de 10 ans. Effectivement, il y avait une telle attente sur college football qu'effectivement la commu, en tout cas sur cette première sortie, est assez importante. Tu utilises des packages avec fullback. Alors, merci pour la question, Lox. IRL, oui, quand j'ai un fullback. Dans le jeu, très peu. Eh ben tiens, tu sais quoi, on va aller voir mon playbook. Voilà, je vais vous...
vous donner un petit accès à l'intérieur de mon esprit torturé. Ce qui est un peu chiant, comme vous le voyez, quand on choisit le playbook. Alors là, c'est classique parce que je fais un entraînement avec Oregon. Donc on me propose le playbook d'Oregon. Mais quand vous êtes en Dynasty ou en Road to Glory, en fait, ça va vous mettre tous les matchs, le playbook offensif ou défensif de l'équipe actuelle pour laquelle vous jouez. Et vous ne pouvez pas mettre de setting par défaut sur votre playbook perso ou quoi que ce soit. Et quand je dis perso, ça se peut vous jouez avec Oregon, mais vous kiffez le playbook de vous voulez jouer du Army avec Oregon. Vous pouvez le faire, mais à chaque match, il faut vous décaler et aller chercher dans settings votre playbook. Et si vous oubliez, ben vous l'avez un peu dans l'os pour ce match. Défense, c'est quoi sur l'entraînement? Non, je suis sur de la. J'aime bien avoir de la 235. Et donc on va aller voir mon petit playbook. Et encore une fois, c'est qu'on est que sur de la 1.0, hein, il n'est pas encore finalisé. Ça fait déjà 4 ans que j'achète Madden, autant prendre celui-là, il me plaît bien, même si je n'y connais pas trop en foot NCAA. Et bon, encore une fois, c'est une excellente initiative pour découvrir. Je vais pas te mentir, ça va te permettre de découvrir les conférences, ça va te permettre de pouvoir découvrir des équipes. Encore une fois, pour les gens qui. On avait une question sur le chat de Ryan, je crois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait bah ouais, j'y connais pas trop, j'ai pas d'équipe préférée, je sais pas qui suivre. Et je crois que j'en parlais hier, et en fait, c'était. Bah en fait, si tu connais pas trop, bah en fait, et si t'as le jeu. Ben fais-toi un Road to Glory, fais-toi commit dans une fac. La plupart du temps, ça va être random et on va te proposer pas mal de choix et choisis la fac que tu veux et en fait, ben ça va te faire découvrir un playbook, ça va te faire découvrir une ambiance. Si jamais t'as la chance d'être de commit dans des facs comme California ou Appalachian State qui ont des univers autour du stade, même Oregon, hein, qui ont des univers autour du stade qui sont assez incroyables. Et bah ça peut te permettre de prendre le kiff sur une équipe et de commencer à la suivre un peu plus et de devenir accro comme nous et de suivre après le reste de l'année. Bah Ultimate Team c'est que ça ressemble pas à du foot. Bah après t'as la même chose sur FIFA, hein. Club Pro Ultimate Team c'est ça, c'est très standardisé, t'as la méta et ça change en fonction des mages ou en fonction des éditions, ça on connaît, on sait malheureusement c'est comme ça que fonctionne l'univers du. Et puis y a pas que les jeux de sport, hein. Voilà, Call of c'est pareil, les autres jeux c'est pareil, hein. J'ai hâte, les dynasties commencent. Ouais, pareil. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la dynastie et ça va être un énorme kiff. Donc que vous soyez joueur avec nous, donc nos adversaires ou que vous puissiez le suivre via le Twitch. J'espère que vous allez prendre du kiff parce que nous, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. Ton playbook est dispo ADL. Ah bah Guigui, il est très intéressé par mon playbook. Guigui, je vais faire mon playbook flash. Tu pourras le bosser comme je disais tout à l'heure. Je vais demander à Paul Durand de faire son playbook sur NCAA Football. Comme je disais tout à l'heure, il sera disponible, je pense, la semaine prochaine. Le temps que je le peaufine, que je m'enlève certains playbooks de shotgun, que je me mette un peu de pistol, je pense. Je me mettrai peut-être pas de under center, mais sûrement un ou deux packages de pistol et notamment ceux qui ont des trick plays intéressants. Et il sera disponible, je pense, ce week-end si jamais j'y arrive. Sinon, en cours de semaine prochaine, après le prochain live. Lox, il me dit qu'il va falloir que tu me fasses quelques cours offense, que je sache reconnaître certaines choses en match que je regarde. Et bah, tu sais quoi, c'est prévu aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a les épisodes de la TT Palette qui existent où on a fait d'ailleurs avec Guillaume, on a fait un exemple, on a utilisé des vidéos de college football, même de LF. Et ben, en attendant la saison de college football, bah, je vais utiliser le jeu pour vous parler tactique, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus rapide. Je vais éviter d'aller me faire chier à trouver de clips à aller dans des matchs bressons de YouTube de Washington State contre Eastern Washington de 2017, de trouver deux jeux de mèche dans la formation que je veux. Là, au moins, je pourrais faire exactement ce que je veux et je pourrais vous montrer et qu'on parle football, qu'on parle tactique correctement, ce sera beaucoup plus simple. Il a fait des vidéos l'an passé sur la chaîne YouTube, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Il y a un épisode de podcast qui explique le CFB en général. Effectivement, pour les nouveaux, on a remis à jour, je crois, l'épisode explicatif du college football avec tous les changements de conférence et quoi que ce soit. On a essayé de faire une mage à ce niveau-là, donc on se tient à jour et n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes novice dans le domaine. C'est l'os, ouais, j'ai vu, mais plutôt du général, pas forcément CFB. L'Ultimate Team est bien sur College Football. Bah, je t'avoue que Chris, je ne sais pas du tout. On n'a pas testé l'Ultimate Team, ce que je disais au début. Pour l'instant, on a fait surtout les modes qu'on attendait. Donc le Dynasty et le Road to Glory. C'était vraiment ce qu'on attendait. L'Ultimate Team, on avait ça plus ou moins sur le. Ça plus ou moins déjà sur Madden. Guigui veut jouer avec Team Thibaut à la vie à la mort, donc il y a moyen que Guigui fasse un peu d'Ultimate Team
Pour essayer d'avoir Team Thibaut. Gilurzer. Attends, je me suis inscrit à la dynastie, mais j'ai pas le jeu, c'est très comique. Luxie, après, c'est ton choix, hein. Je veux continuer à rentrer dans ton cerveau maléfique. Donc en fait, Guigui demande à ce que je crée un playbook qui puisse y avoir accès. Donc le playbook NCS, donc sur le jeu, pour pouvoir me dire, hey, ce jeu il est bien, fais-le en vrai. Donc Guigui, c'est quoi en vrai? J'adore l'idée et crois-moi que le jeu est aussi une source d'inspiration pour moi. Guigui, va voir tes MP s'il te plaît. Copier-coller de Madden, toujours des promos, toujours, ouais, c'est ça. Voilà. Donc putain, il est déjà 20h30, ça passe vite de jacter quand même. Donc on va voir mon playbook, enfin. Qu'est-ce que j'ai? Comme vous pouvez le voir, playtype, voilà, je suis très axé passe. Maintenant, encore une fois, ça va bouger. Dans la course, j'ai pas tant de jeux que ça différents. J'ai le fullback dive parce que j'ai sur un package que j'aime bien, que j'ai gardé en goal line. Donc voilà, mais sinon, je sais que voilà, le college football, il y a souvent des QB mobiles, donc j'ai essayé de mettre du QB run. Il y a du draw parce que la plupart sont dans mes packages. Et donc du coup je les ai gardés. Quand j'ai mis des packages complets, j'ai rarement enlevé un jeu pour ça. Counter, pareil, c'est des jeux que j'aime bien. Pitch, un peu moins dans les. Je trouve qu'il est pas. Il est compliqué à jouer un peu sur les. Sur les jeux. Et il est trop. Il est trop dépendant de ce que ça joue en face. Là on a une formation qui peut s'y prêter. On a un Pinel Pool qui est pas trop mal, ouais. Mais du coup ça descend vite et j'ai personne sur l'extérieur. Pour le coup c'était bien défendu. Ouais, je suis pas. Pitch, c'est pas forcément le jeu que je préfère. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de. C'est typiquement le genre de concept où ça me dérange pas de d'aller encore une fois dans mon petit doc et de me dire bah tu sais quoi, tu vas chercher alors pour le coup la goal line c'est un package qui est restreint donc je me dis tu sais quoi, je le garde, mais le shotgun wide trip sweep là en X et le shotgun tackle over c'est des trucs où j'hésite pas à me dire tu sais quoi, je vais aller dans le package et je vais l'enlever. Alors tackle over c'est spécial parce que regardez bien la formation, ça ressemble à la formation que j'avais fait sur la TT palette de UCF. L'année dernière, j'ai un tight end qui joue tackle gauche là, Terrence Ferguson, et j'ai mon tackle gauche qui joue tight end à droite. Donc en fait, je suis en débalancé. J'ai 3 O-line à droite du centre et je vais jouer une toss de ce côté. Donc en fait, la défense va s'aligner avec un outside linebacker. Il pensait avoir un outside linebacker face à mon tight end. Sauf qu'en fait, il se trouve avec un outside face à mon tackle. Avec un bloc raté, on arrive à se passer un peu. Donc voilà, c'est une formation qui est intéressante. Donc là, pour le coup, potentiellement, je le garderai. Là pour le taux, je suis pas fan, mais en gros le seul que j'enlèverais c'est le X ici, parce que je l'aime bien en full house. Les formations condensées comme ça, j'aime bien avoir de la variété de jeux de course et je trouve ça assez intéressant. Surtout contre les équipes qui voient de la full house qui resserrent. Et encore une fois, quand je joue de la full house, je cherche pas forcément le home run play, donc aller chercher le TD de 80 yards, mais aller me prendre, avoir un peu de diversité, jouer un peu à l'extérieur dessus, pour pouvoir écarter la défense, j'aime bien. Après le outside end off, vous voyez, j'en ai quelques-uns. J'ai lui les reverse. J'aime bien la jet sweep. Là en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup qui sont. Oh, j'avais pas vu. Attendez, attendez, attendez. J'ai une do it yourself reverse en direct snap. Sauf que j'ai pas de jeu en direct snap, je crois. Donc là, ça va être un direct snap pour le running back. Et ensuite, reverse. C'est incroyable ce jeu. Je l'avais rajouté parce que j'ai rajouté le package et en fait vous voyez comme quoi j'ai des jeux que je ne connais pas forcément mon playbook. Oh zut. Je connais pas forcément mon playbook à 100% et parce que je ne savais pas que ce jeu existait. Donc oh là là, c'est très bien bloqué ça, c'est pas mal. Et en plus c'est la reverse avec Tess Johnson donc c'est cool. En plus la reverse, si la... en fait en plus vous pouvez diriger votre running. Si jamais vous gardez votre running en haut du pitch, il va le faire main droite et donc votre joueur va courir plus à l'extérieur. Alors que si jamais vous forcez votre running à aller en bas, il va la. Ah non, il l'a pas fait là. Je crois que je l'avais vu tout à l'heure. Il peut forcément passer en dessous et voilà comme ça. Et donc du coup le donner main gauche. Et en général quand vous le donnez comme ça vers l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez courir plus, se profiter des blocs de la ligne. Voilà, depuis tout à l'heure je donne parce que j'ai Tesh Johnson et que je suis en varsity et que je peux potentiellement prendre du yard. Mais donc voilà. Donc ce jeu très très bien et je vais même vous faire un petit cadeau. Vous évitez d'aller chercher parmi les 4500 jeux disponibles. Vous allez chercher dans Shotgun, ensuite en très open halfback. STR, c'est pourquoi, je ne sais pas.
Et du coup j'ai les commentaires. Ah bah je vais regarder sur l'écran. Donc c'est. Ah c'est Alvac Strong, parce que du coup il y a le running côté fort. Donc c'est Shotgun très open, Alvac Strong. Et vous avez donc le package avec la Do It Yourself QB Sweep Reverse, qui est ici. Et la Direct Snap. Donc je pense qu'il y a peut-être bien une Direct Snap dans ce package. Donc là c'est le QB qui va sweep et donner la balle pour la reverse. Hop. Et puis Léo qui dit Netflix vient d'annoncer un docu sur Connor Stallion et le Sign Stealing scandale de Michigan. Ça va être du poulet, on est absolument d'accord. S'ils ont réussi à avoir des insights là-dessus, ça peut être cool. Donc du coup, QB Sweep, j'aime bien encore une fois, c'est du college football. On a potentiellement des QB très mobiles. Des Lamar Jackson à l'époque ou Kansas. Hein. Ouais, voilà. Alors des fois, il y a le jeu, il est pourri, quel que soit le sens. Il y a des équipes comme ça qui ont des QB très mobiles. Ça peut être un package, hein, vous pouvez changer le joueur. Hein. Vous êtes là, vous dites, vas-y, j'ai mon deuxième QB qui est archi mobile, c'est pas mon titulaire, mais je le veux. Alors là, sur le practice, vous pouvez pas le faire, mais en situation de match, vous pouvez le faire. Donc du coup, voilà, inside end off, j'ai du classique, voilà, j'ai du inside zone, parce que je suis un zone guy, voilà, je joue du zone, du duo potentiellement. Je joue très peu de gap scheme, donc c'est beaucoup de zone. Voilà, ça se rapproche plus ou moins de la vérité. J'aime bien le trap. J'aime bien le trap parce que j'étais formé sur la Wing T et que le trap c'est une base. Et que sur les boîtes à 5 je trouve ça dévastateur. Là en l'occurrence c'est une boîte à 6 donc mes O-line sont un peu chiés dessus. Mais le trap si c'est bien couru ça peut ouvrir des gaps assez énormes. Surtout sur des formations en spread où on écarte la défense. Là c'est peut-être parce que j'ai un tight end. Est-ce que j'aurais un trap? Normalement j'ai un trap en 2 par 2 qui est d'ailleurs dans mon... Voilà. Shotgun wide offset. Là, ne me dis pas que. Bah, ils réussissent à être 6 dans la boîte. Mais voilà. Là, je me retrouve avec un peu de temps quand même. Je peux aller chercher du yard. Et normalement. Voilà. Une boîte à 5. Un trap. Je vais me cacher derrière. Hop. Je prends le gap. C'est du big gain assuré. Donc voilà. Sur du 2 par 2 contre les équipes qui veulent jouer de la too high. Et équilibré sur les côtés. Bah, en fait, regardez. Ils sont certes à 3 contre 2 sur les receveurs. Mais ils sont à 5 contre 5 dans la boîte et quand vous avez une ligne dominatrice comme celle d'Oregon contre la D-line de Stanford, et ben ça fait du gain facile. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah du coup en fait j'ai la feinte de jet pour jouer de l'inside zone ou du duo. J'ai du base, j'ai du zone split. Allez voir je crois que c'est la première TT palette que j'ai fait qui était la Inside zone d'ailleurs, et où j'avais les différences entre le zone split et d'autres, et le zone classique, inside zone, outside zone. Il y a de la bug sweep, alors la bug sweep qui est classée dans le inside end off, je trouve ça assez bizarre. Il y a du halfback punch, il y a du power, ou sur l'inside end off, vous voyez que j'ai relativement peu de power. Souvent c'est sur les formations condensées, j'ai de l'option, et notamment, je vais vous montrer cette formation, il faut que je la retrouve. Dans Goal Line Offense, comme je disais hier, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez de la classique, donc le personnel. Je dis pas de bêtises. C'est du personnel 23 de running et 3 tight end. Potentiellement avec du 22 avec un 6ème lineman. C'est ce que la plupart des équipes NFL jouent en Goal Line. Donc voilà, ça donne ça. Hein. Moi j'aime bien les QB sneak que vous avez à partir de ça. Là en l'occurrence voilà le troisième tight end d'Oregon c'est un sixième lineman. Et vous avez soit du sting, soit du power, soit voilà. C'est du goal line, vous gagnez 3 yards et basta. Mais pour les équipes college football, qui du coup ne jouent pas d'under center, il y a le heavy en goal line offense. C'est le même personnel. Et vous avez des jeux qui sont absolument incroyables. Il n'y a que 9 jeux dans le package. Là, vous avez même un personnel qui est différent parce qu'il y a un receveur, 4 tight ends, pas de running back, et c'est le QB qui va recevoir le ballon. Ah, j'ai oublié le jeu que j'avais lancé, je pensais avoir lancé un slam, et j'ai lancé une play action, c'était pas du tout ce que je voulais. Faut savoir que je suis un ancien joueur Xbox, donc le X, des fois, je me trompe de où il est, et notamment sur les jeux comme Madden, c'est assez problématique. Madden ou College Football maintenant. Où j'avais beaucoup ce problème que je vois le X à gauche et donc des fois j'appuie sur carré. Donc du coup vous avez un blast classique là en plus sur un gap qui est libre. Ça s'ouvre, je prends le bloc de Tej Johnson. Voilà. C'est très condensé. Regardez que si le mec en face se rend pas compte que ça va être condensé, le temps qu'il ajuste,
Vous avez tout le monde qui est sur la ligne, je joue rapidement, je pousse, voilà. Regardez, même le DB il s'est pas rendu compte que c'était là. Et ça fait 25 cartes de gain facilement. Et après, vous avez ce jeu-là que j'adore, je vais le jouer à gauche parce que mon Dylan Gabriel est gaucher. On va juste respot la balle, essayer de se mettre un peu plus ici pour avoir de la marge sur la gauche. Le meurtrier de McNair aussi, simplement expliqué. Ouais, c'est effectivement l'histoire de Connor Stallion, ben, vous regardez sur Netflix. Oregon a trop de flow niveau uniforme, c'est les plus beaux de college football, on est d'accord. Là, il n'y a pas trop de choses disponibles, il y a le classique. Pardon, le classique vert jaune, il y a le jaune et noir, il y a ce qu'ils appellent le Nightmare, donc qui est le vert cacadois, un peu vert très sombre, avec le casque qui est magnifique d'ailleurs, et il y a le Eggshell qu'on a vu cette année. Et donc ce jeu-là, c'est pareil, sauf que là le receveur va venir en motion, et en fait on va jouer une strict speed option ici, et première fois que je l'ai joué, j'ai mis un TD de 80 yards avec Ted Johnson. Hein. Voilà, donc c'est. Ah, la petite pastèque Godux. Piolo Godux aussi, c'est bien les gars, c'est bien. Vous avez du goût, je suis fier de vous. Promis, quand il y aura la caméra, contrairement à d'autres streams que j'ai fait, je ne mettrai pas mon stuff de Washington State, du coup, j'essaierai de rester Ducks. Ouais, ce jeu, je vous avoue que je le kiffe, là, ça va être de la cover 1. Effectivement, j'avais pas ça quand j'avais Joe Milton. Parce que du coup, effectivement, on verra ça après quand on découvrira le jeu ensemble. Quand vous avez des QB qui sont assez expérimentés et qu'il y a des rotations dans la défense, voilà. Là, vous avez les petits trucs qui sont affichés au-dessus des safeties. Il y a le safety de gauche, il y a un 2 qui s'est affiché au-dessus de lui. Et le safety de droite, un 4. Donc, du coup, ça veut dire quel type de zone ils vont prendre. Donc, là, je sais que c'est de la cover 6. Parce que le safety de gauche va jouer de la cover 2. Donc, il va être tout seul. Regardez où il est placé. Il est tout seul pour jouer sa moitié de terrain. Et de l'autre côté, ils vont jouer de la cover 4. Où là, vous voyez que le corner à droite, qui est sur le bout du 2 du 20 à droite, et le safety qui est aligné au bord de l'ombre et de la lumière à droite, eux ils vont jouer de la cover 4, donc ils vont avoir un quart deep, mais l'autre safety qui doit, je pense, avoir beaucoup plus de range que les deux autres, va lui avoir un demi-terrain à couvrir. Donc du coup, je sais qu'il va y avoir un flat player. Et voilà, le petit hurdle qui fait plaisir. Donc du coup voilà, j'aime bien ce jeu, donc du coup j'ai mis le package qui va avec. J'ai fait respot au lieu de choisir un nouveau jeu. La tight end option est pas mal parce qu'en plus, Guigui, si t'es avec nous, c'est ce que j'expliquais hier, c'est que c'est une play action, on a le motion man qui vient, mais Guigui est l'un des personnes les mieux placées pour le savoir. Souvent, la défense se focalise sur les joueurs qui partent en tracé et oublie le mec qui est en motion et qui est souvent tout seul dans le flat. Et j'ai vu sur certaines vidéos de match Guigui littéralement sauter, faire des jumping jacks en essayant de montrer à son QB qu'il était tout seul sur des situations comme ça. Donc voilà, c'est il y a que deux tracés, j'ai que deux tight ends, mais voilà, si les mecs ils drop en zone, que ça blitz pas, qu'ils croquent pas dans la course ou quoi, bah en fait, dites-vous bien que regardez, ça drop de ouf. Ok, bah je mets sur mon carré. En plus, c'est le joueur que j'utilisais pour l'option, donc c'est un gars qui peut aller chercher du yard after catch, qui peut faire des dégâts. Donc voilà, j'aime bien ce jeu. Et puis après, c'est une formation qui est archi condensée, hein, et qui est en plus assez diversifiée. Vous voyez, il y a beaucoup de play action forcément. La Sluggo Y Shake. Alors, on va essayer de mettre une défense. On va mettre une. On va pas mettre de la dime, c'est pas drôle. On va mettre de la 34. Il y en a une où ils viennent en presse, genre. C'est quoi, vas-y, on va mettre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder lui en pass bloc. Et est-ce que je peux ajuster la défense? Non, ce qui est bien dommage. J'aimerais bien jouer la Sluggo. Ouais, sauf que le safety n'a pas croqué. Oh! On va le changer. Je vais essayer de le mettre en cover 0. C'était lequel? C'était là. Donc, du coup, Lox, tu demandais pour les double moves tout à l'heure. Ouais, ah bah tiens. Je vais garder tous les mecs en. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et on va faire Max Pro. Et quand vous faites Max Pro, en fait, vous voyez que ça a enlevé presque tous les tracés. Et ça a laissé comme ça. Là, j'ai mon double move. Voilà. Et du coup, le mec est relativement loin, ce qui est un peu chiant. J'aurais bien aimé qu'il soit plus proche pour qu'on puisse voir. Mais du coup, c'est. Ah oui, bah là, j'ai pas modifié le truc. Mais voilà, donc du coup, c'est double move, c'est un truc que j'aime bien là-dessus. Encore une fois, c'est vachement spécifique, hein.
Vous commencez très rarement par jouer un double move, faut d'abord jouer la slant classique et compléter deux fois sur la slant, et quand le mec va en avoir marre, il va prendre son corner, il va jumper, et vous pourrez l'avoir avec le double move. Voilà, donc c'est un package que j'aime bien, qui est intéressant, qui est une bonne variation. Ensuite, alors que je trouve, encore une fois, c'est dans playtype, je trouverai pas. On va chercher par formation. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de shotgun, j'ai pas de pistolet. J'ai mis de la Wildcat parce que j'aime bien la Wildcat. J'aime bien ce que ça apporte. Et effectivement, dans la Unbalanced, ah bah, j'ai mis le Counter. Et je ne peux pas trouver. Voilà, donc c'est pas grave, je changerai. Donc vous voyez, là j'ai une formation débalancée et ça va venir, ça va être intéressant après. À droite là, le rond c'est Dylan Gabriel. Donc c'est mon quarterback qui s'est placé en receveur. Donc quand je joue. Alors là c'est un Counter donc c'est pas important, hein. Mais quand je joue du sweep à l'extérieur à droite, bah dites-vous bien que c'est mon QB qui va bloquer. Ce qui est pas ouf en soi. D'accord? Si jamais je joue ce jeu-là, la Power, que j'aime bien, j'adore le design parce que j'ai mon mec en motion qui va être un bloqueur supplémentaire. Et alors, il est censé être bloqueur supplémentaire, mais j'ai l'impression que c'est en fait c'est Power, mais j'ai l'impression que c'est de l'option. Parce qu'il vient se coller, en fait il vient se foutre derrière, ce qui m'énerve. Ouais. Je trouve ça complètement débile, il vient pour être bloqueur et en fait le gars le laisse derrière. Bon bref. Et en fait, vous avez une reverse que vous pouvez faire vous-même. Hein. Et vous avez une jet reverse pass. Et contrairement à celle de tout à l'heure, où c'est un receveur qui récupère le ballon, alors là ça va blitzer donc il va falloir sortir les doigts. Y'a personne qui. Bah. Ok, d'accord, donc le jeu a frisé, Gabriel était bloqué, je pouvais pas bouger. Mais là, comme vous le voyez, c'est le QB qui récupère la balle. C'est le QB qui va donc pouvoir faire la passe. Et. Ouais, alors par contre, j'ai un problème là. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit bugger sur le jeu. Donc là, je me suis pas trop fait chier, j'ai joué trop vite. Mais donc, du coup, vous voyez comment la défense se fait avoir par cette action de reverse. Et si c'est bloqué, voilà, la problématique c'est ça, c'est que dites-vous bien que, c'est ce que j'ai montré hier, parce que là je vois que ça va blitzer, hein. Dites-vous bien que vous avez 4 joueurs à droite, dont le 6ème lineman et qui part pas en tracé, mais vous avez le R1 qui part en tracé, le X qui part en tracé, et le rond qui vient récupérer la balle. Donc si jamais il y a un blitz de ce côté-là, et que le carré après avoir donné la balle ne bloque pas, ou que le 6ème lineman ne bloque pas, ben vous allez vous faire cartonner. Et là ça va blitzer et je vous avoue que j'ai un peu peur. Bah du coup il était tout seul, bah voilà, donc ça blitz. J'ai pas eu le temps de faire une passe vite tout à l'heure, hein, voilà. Incroyable, c'est quoi le nom du play? Je te montre ça juste après. Est-ce que je vais pouvoir le jouer au moins une fois? Voilà, merci. Non, bah non. En fait j'ai peur de bouger parce que depuis tout à l'heure j'arrive pas. Attends, faut que je regarde un truc, je vais pas faire la passe. En fait il est statique, voilà, là je bouge mon stick mais je ne peux pas bouger. C'est le seul truc qui est dommage, c'est qu'une fois que vous avez fait ce trick play, vous pouvez pas courir avec le QB. Parce que je trouve ça très très dommage. On dira rien sur la double motion. Parce que le QB part pendant la motion, c'est pas censé être hyper légal. Vous voyez en fait les mecs croquent avec l'action de reverse et ce qui fait que ça s'ouvre relativement facilement. Vous vous dites j'ai que deux tracés, mais voilà, hein, c'est. Oh là là, même en mettant de l'air, sérieux. Vraiment, le fait de ne pas pouvoir bouger avec le QB, ça me perturbe parce que j'ai l'habitude de bouger quand même le stick gauche. Et voilà. Et bah, du coup, après, c'est dommage parce que j'ai pas pu vous montrer vraiment de trucs où ça joue parce que ça blitz beaucoup. Alors, le jeu, c'est sur le paquet Formation Wildcat, Package Unbalanced. Et du coup, vous avez tous ces jeux-là. Donc, il y en a 8. Donc, il y a la Reverse en Do It Yourself, il y a de la Jet Sweep. Il y a de la motion zone, il y a une play action, la play action jet sweep qui est pas mal, mais dites-vous bien que c'est votre Wildcat de QB, donc votre running back qui va faire la passe. Il faut avoir un running qui a un minimum de qualité à ce niveau-là. Et vous avez donc là, le jeu c'est Wildcat Unbalanced Jet Reverse Pass. Encore une fois, prenez vos notes, n'hésitez pas. Comment tu stoppes la course pour feinter le défenseur? Alors dans quelle situation? C'était peut-être sur un jeu, c'est Petite Pastèque qui a posé la question, est-ce que c'est sur la reverse pass ou est-ce que c'est sur un autre. Est-ce que c'était sur un autre jeu? Parce que j'ai vu le. Je vois le chat en retard. Après, je m'étais noté. J'avais une double passe. Qui est relativement sexy aussi. Il y a un flea flicker que j'ai pas rajouté. Que je vais faire là maintenant. Donc, on est en mode gun trips double. Donc, formation. Shotgun. Alors, quand c'est marqué gun, c'est parce que c'est shotgun des fois. Donc, shotgun. On va aller en.
Attendez, j'ai de la Gun Trips. Ah non, c'est Double Pass. Donc c'est Gun, c'est Trips classique. Parce que Trips Double, ça veut rien dire. Où est le Trips classique? Est-ce que j'ai une Trips classique? Non. Mais je l'ai joué la dernière fois. Ah non, je l'ai mis à ajouter. Ok. Donc on va faire différemment. Je vais aller les ajouter maintenant. Oh non, c'est pas fait, il me semble, mais je me pose la question car j'ai vu qu'on pouvait stopper la course sur le jeu, mais je sais pas quelle est la touche. Bon, ça, c'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai pas encore assez poncé le jeu pour te répondre. Donc voilà. Après, j'irai voir le playbook, enfin les trick plays pour finir. Il y a un flea flicker et une double passe. Sinon, ouais, j'ai pas mal de jeux d'options parce que j'aime bien la red option. Parce que, encore une fois, je joue avec Oregon et Dylan Gabriel est un QB assez mobile. Il y a un jeu que je trouve incroyable, mais qui est un peu. C'est un peu dommage que je le trouve un peu buggé. Attendez, j'essaye de regarder. J'en avais parlé hier avec certains. Je retrouverai pas. C'est une RPO avec un draw play. Ah, attendez, que je retrouve. Est-ce que c'était dans mon playbook à moi ou pas? Option. C'est une RPO avec un QB draw qui est phénoménal. Je crois que c'est celle-là. C'est la motion RPO QB draw. Mais en fait, alors là ça va blitzer donc c'est pas le bon exemple. Voilà, je joue quick ici. Est-ce que tu peux me donner un jeu où je peux faire le QB draw? Voilà, là j'ai la place. Mais en fait, le QB est tellement lent à démarrer et en fait il y a une animation qui se déclenche. Ce qui fait que si jamais vous avez un minimum de pression quand même, un de vos lines qui chie un peu dans la colle, le QB draw met énormément de temps à se développer. Et en fait, là où vous êtes censé avoir du gain positif, et ben vous n'en avez pas parce que du coup, alors attendez, on va juste prendre les yards. Voilà, celle-ci en troisième et courte, elle est pour moi, elle est dévastatrice. Vous avez soit le draw, soit la hitch, soit la bubble. Et du coup, si vous avez 2-3 yards à prendre, normalement il n'y a pas de mauvaise solution. Est-ce qu'il y a un joueur qui part? Donc là, je sais que je vais avoir la draw, mais regardez l'animation. Et en plus, au début, il court forcément tout droit. Ce qui veut dire que s'il y a un tech 1 qui est dans le gap, vous pouvez pas vous décaler avant un certain temps. Donc c'est. Alors regardez, je sais que je vais pouvoir courir, mais c'est lent et je me fais plaquer. Alors que le draw il est ouvert, mais dès le début. Et c'est un jeu que du coup j'ai, mais je ne joue pas parce que je sais qu'il est un peu buggé pour l'instant. J'espère que IA pourrait y faire quelque chose. Je sais pas si c'est tous les draws qui sont comme ça. Bah du coup, vous savez quoi, j'avais pas forcément regardé parce que je ne joue pas de trop de draws sur cette sur cette édition. Vous savez quoi, on va même rigoler. Je vais mettre, pour être sûr de pouvoir faire mon QB draw, je vais jouer de la prevent en front 3. Comme ça je sais que j'ai de la place pour le jouer, je vais juste regarder l'animation. Là, vous voyez, bah, il démarre beaucoup plus rapidement sur un draw classique. Encore une fois, je joue pas avec un pocket passeur. Là, j'ai Dylan Gabriel qui est quand même un QB qui est très mobile. Là, voilà, on est pas mal et ça démarre rapidement. Et sur le jeu que j'ai joué, bah, c'est un peu buggé et c'est pas fou. Qu'est-ce que j'ai? Du coup, je vais plus faire par formation. Ce sera peut-être plus parlant. Elmery, voilà, j'ai. Elmery, on s'en fout, ça c'est le special team. Wildcat, je vous ai montré. J'ai mis de la full house parce que j'adore cette formation et que le package n'accueille 8 jeux. Donc, du coup, les packages comme ça qui sont spécifiques et qui ont pas beaucoup de jeux, je les ai souvent mis. Parce que je me suis dit que c'était relativement cool, mais il y en a que je vais enlever. Par exemple, la stack. Je vous ai dit, j'avais du mal à jouer avec la stack. Il y a 12 plays et en fait, j'ai du mal à jouer dessus. Ou la wing y-off motion à chaque jeu, mais en fait, je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à. Non, c'est pas la wing. Non, c'est la east x-over. Que j'ai eu du mal à. J'aimais pas trop finalement cette motion qui est dessus. Et ce qu'il y avait comme proposition. Donc, je l'avais rajouté, mais je vais le supprimer de mon playbook. Wide offset, voilà, j'adore parce que. Notamment pour cette slot fade que je recherchais. Ah, c'est de la. Dis-moi que c'est de la cover 1. Dis-moi que c'est de la cover 1. Dis-moi que c'est de la cover 1. Touchdown assuré, voilà, cadeau. Voilà, j'adore le slot fade. C'est un tracé qu'on voit beaucoup depuis quelques années. Notamment grâce à ça. Surtout contre les équipes qui matchent pas forcément le personnel. Alors là, je l'ai sur la formation. Donc c'est wide offset qui est du personnel 11. Donc là, celle que vous voyez d'affichée en rouge, c'est le tight end qui l'a, ce qui m'embête un peu.
Et en fait, je l'ai sur une autre formation. Vous voyez que j'ai la formation 5 receveurs. Elle s'appelle 5 receveurs parce qu'il y a 5 receveurs dans la formation. Sinon, j'ai de la empty base, j'ai de la. Et je crois que c'est sur la spread classique où j'ai ma slot fade. Voilà. Mais là, sur de la spread, je suis en personnel 10 avec 4 receveurs. Et là, au moins, j'ai mes 4 receveurs. Et là, c'est pas de la cover 1. J'essaie de. Ah, de shoulder. Oh, ça passe. Magnifique. Ok. Je voulais de la cover 1. Je n'ai pas eu. Ouais, là pour le coup c'est bien défendu. J'essaie d'avoir de la cover 1. Et en fait j'aime bien le jouer cover 1, cover 2. Mais cover 2, je vais avoir une modification. Hop. Là je sais que j'ai le match-up. J'ai essayé de lancer assez tôt pour pas qu'il arrive à bout. Je sais que j'ai le match-up contre le 17. Donc dès que je vois que le safety il bouge, dès que je vois que le corner à gauche surtout il réattaque la hook. C'est pour ça que même des fois pour le forcer à réattaquer plus vite, je vais changer le tracé. Et je mets. Attendez, parce que curl c'est trop deep. Généralement je mets smoke screen. Parce que smokescreen il va réattaquer tout de suite. Pom, là il est perdu. Ouais, pff, il sait pas quoi faire. Voilà, c'est BNF. Là du coup je la joue côté ouvert parce que déjà parce que j'ai Tesh Johnson, hein, je vais pas vous le cacher, ce qui est l'un des joueurs les plus rapides de cette équipe, voire le plus rapide de cette équipe. Là ça réattaque pas. Là je me suis chié dessus. On va devoir inventer. Je peux que lancer en touche. C'est quoi votre impression par rapport à Madden? Bah je n'ai pas joué à Madden. Donc je ne pourrais pas te dire ça. Ryan pourra te répondre. Val pourra te répondre. Moi qui n'ai pas joué à Madden depuis pas mal d'années, je suis mal placé pour te répondre. Personnellement, j'ai dit tout à l'heure, je le trouve quand même plus fluide. Je trouve qu'il y a moins de petites animations. Et donc du coup, plus agréable à jouer. Donc personnage préfère. Après, je préfère le college football aussi. Je trouve qu'il y a plus d'équipes, donc tu peux plus prendre ton kiff. Ils ont rajouté des jeux parce qu'aussi le jeu de college football c'est certains trick plays, c'est des formations funky donc je trouve ça cool aussi. On a le playbook du jeu de dispo en début de carrière Dynasty. Oui, en Dynasty tu choisis absolument ce que tu veux. En Road to Glory tu vas être limité tant que t'as pas les points parce que tu peux pas choisir les jeux, tu peux soit avoir un seul jeu donné, et encore quand t'es QB, hein, c'est. Tu as l'option de. T'appuies sur triangle et tu débloques 3 jeux, mais tu n'as pas l'option de choisir ton playbook, mais en dynastie oui, t'as tous les jeux, il n'y a aucun souci, quelle que soit l'équipe, le programme pour lequel tu joues. Et au passage, merci à AlexH2191 pour la souscription de tier 1, ça est le troisième mois. Merci à toi, et la petite dédicace, c'est pour Elio qui a toujours pas touché le jeu. Et oui, c'est un peu le vilain petit canard le vilain petit canard de notre podcast. C'est un de ceux qui n'a pas le jeu pour l'instant. On espère bien sûr qu'il pourra y jouer et nous rejoindre très rapidement. Et un petit coucou à Titou. Du coup, effectivement, première fois dans le chat. Salut mec, bah salut à toi. J'espère que vous kiffez bien ce moment. Ah, j'ai oublié de modifier, j'ai oublié de modifier, j'ai oublié de modifier. Parce que là, j'avais typiquement la défense que je voulais. Et bah, je vais vous montrer tout de suite pourquoi je voulais ce jeu-là. Donc, je vais revenir sur ma slot fade. Je vais mettre en face une défense en cover de man. Si je trouve une défense en cover de man. Voilà, merci. C'est pas toujours la bonne. On va mettre le running de l'autre côté. Et on va changer le tracé du running. On va lui donner une streak. Et en fait, c'est. On va respotter la balle. Je vais mettre au milieu. Ou alors. On va voir si jamais. Oui. Si jamais je me décale sur la hash mark, le safety. Bouge pas forcément. Je rechange le tracé du running. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, je suis obligé de passer par là pour le running. Je mets une streak parce qu'en fait, si vous avez vos deux fades qui vont attirer les safety, en fait vous vous retrouvez avec votre running qui a un match-up contre un backer. Et en général, c'est touchdown. Voilà. Alors pour ce type de modification, c'est mieux d'être en smash classique parce que. Le smash va forcer les safety à tourner le dos, donc si jamais, là pour le coup je vais chercher par concept, normalement c'est du medium smash. Je vais chercher un smash en 2 par 2 classique. Est-ce que j'ai un smash en spread là? Mais en fait vous l'avez ce jeu, voilà. Le smash halfback seam, c'est typiquement un jeu de Mike Leach. Quand vous avez des running qui sont bons en man-to-man ou tout simplement rapide, vous savez que là le match-up, voilà, regardez comment c'est mis. Le match-up, c'est le Mike tout seul au milieu qui est contre mon running. Voilà. Maintenant, tu lui dis, bah vas-y, va défendre contre mon running en 1 contre 1. Oh, la balle est dégueulasse. Normalement, les corners sont censés être
le tracé corner est censé être moins profond que ça. Justement, le but c'est d'attirer le safety le plus tôt possible. Alors là, voilà. Ah, y a pas assez d'air. Faut encore que je m'ajuste à ce jeu. Parce que je le kiffe en vrai, mais. Voilà, donc du coup, c'est typiquement. Alors là, Stanford a l'air d'avoir un backer qui est quand même assez athlétique, et c'est le cas dans pas mal d'équipes. Hop, college football, on se rencontre. On se rencontre, pardon. Allez, big man touchdown. Non, dommage. Donc du coup, si vous avez un vrai speedster en running qui peut faire la différence juste sur le route running, ça peut être intéressant de faire d'avoir ce jeu-là. Même si moi je le préfère en slot fade. Ah, attendez, j'ai pas. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que si jamais je suis en smash halfback, donc c'est en shotgun spread, hein. Hyper classique. Je vais me remettre sur ma two man, cover two man. Et est-ce que dans les modifications de tracé, j'ai une. Je mets smart route, il va me faire quoi? Non. Est-ce que si je change la stem, custom stem, ah je crois que je peux pas custom la stem en practice, mais il n'y a pas de inside fade. Il n'y a pas de inside fade, ce qui est dommage. Parce que là, justement, ça aurait été sympa de pouvoir le faire. J'ai changé le jeu de côté. Qui vous reste de la place pour le Dynasty en ligne de TTP? Je crois. Pas sur le Discord. On a mis le lien tout. Ah, je l'avais pas vu qu'il était tout de suite. On a mis le lien tout à l'heure, un peu plus haut dans le chat. Il y a le lien du Discord. Et vous pouvez y aller. Voyez avec Charles. C'est Charles qui organise ça. Il faut voir avec lui. Il en reste, mais les Dynasties sont pas cross-platform. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi t'as arrêté de jouer au Madden? J'ai arrêté de jouer au Madden parce qu'en fait, je tenais avec toi les jeux de foot US. Disons que je mange assez de football américain toute l'année. J'ai la saison américaine de août à décembre, janvier, voire février avec le Super Bowl. J'ai la saison française techniquement de septembre à juin avec des matchs de février à juin. Donc je mange assez de football comme ça pour que. Je t'avoue que quand je suis sur la console, je suis peut-être plus sur des autres sports. Je suis sur le MLB The Show par exemple, le jeu de baseball. Je suis sur Call of, j'étais sur Destiny avant, j'avais d'autres jeux, mais les jeux de foot m'intéressaient. En fait, j'ai eu Madden pendant des années. Et puis en fait, après, je sais pas, je me suis désintéressé, je trouvais pas ça si intéressant que ça. Mais là, le fait d'avoir cette nouveauté et cette attente qu'on avait autour de College Football 2025 fait que je sautais le pas, et vraiment je kiffe parce que je pense qu'en fait ils ont tellement fait un effort aussi pour ils ont tellement fait un effort pour le pour essayer de combler les fans qui l'attendaient que du coup le jeu est beaucoup plus plaisant. Alors du coup ça c'est mon playbook version brute, donc dans le système d'édition. Le giveaway a déjà été fait ou pas les gars, je viens de sortir. Oh attendez, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, j'y ai pas pensé et on a presque fini. Est-ce que. Attendez, je regarde. Non, finalement on le fera peut-être pas maintenant. On le fera peut-être pas maintenant. Parce que du coup c'est Gus qui gère ça. Si Gus t'es là, sur le live encore, est-ce que tu peux organiser ça avant que je quitte rapidement? Parce que je vais finir d'ici. D'ici quelques instants, peut-être pas, hein, quelques minutes, on va dire. Mais donc, du coup, si on organise un giveaway sur la fin du live, si t'es là, Gus, sinon on fera ça sur un live de midweek ou sur mon live de la semaine prochaine. Je regarde ça avec lui, effectivement. J'avais annoncé, mais on l'a pas forcément fait. Faut que je vois ça. Faut que je vois ça. Je finis juste de vous montrer mon playbook. Du coup, vous voyez le play count à droite, je suis à 500 jeux. Voilà, j'ai vraiment torché le truc. Je suis allé jusqu'à 500 et j'ai même pas regardé tout ce qu'il y avait en shotgun. Et donc du coup ce que je me suis noté, qu'est-ce que je voulais supprimer? Formation shotgun stack Y off weak, je supprime toute la formation. Donc je vais dans shotgun, stack Y off weak, parfait. Je fais triangle, remove all plays. Yes, alors du coup non, c'est si je reste appuyé sur triangle, non, c'est dans quoi? Dans quoi? C'est dans my playbook normalement si je fais... Ah merde! J'ai peut-être enlevé deux formations. Je pense que j'ai enlevé deux formations. Okay. Je voulais enlever la
Doubles Flex Week Swap, et ben parfait. On va enlever tout ça. Qu'est-ce que je voulais supprimer? Shotgun East X Over. Shotgun East X Over. Enlever tous les jeux. Vous voyez, déjà, je suis à. Je réduis, hein. Shot Trips, je voulais en enlever certains. Bon, au moins, j'ai enlevé les formations. D'accord? Ce qui va me laisser de la place. Ce qui va me laisser de la place pour mettre des jeux que je voulais rajouter. Qu'on va pouvoir voir rapidement. Donc, la High Form Tight. Iform, dans quoi je peux trouver ça? Non, c'est All Plays. Voyez qu'il y a différents, hein. Donc là, au niveau des formations, il y en a plein. Hein. Et vous pouvez mettre 15 formations différentes en sachant que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Le jeu comprend 15 formations. Donc en vrai, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les 15 formations. Et les 7, s'ils appellent les 7, moi j'appelle ça des packages. Mais donc les 7 différents, vous pouvez en mettre 56 différents. Vous pouvez mettre Strong, Full House, Wildcat, Split T. Oh, il y a de la Split T aussi. Ah ouais, pour ceux qui veulent jouer ce genre de jeu. D'accord. Split Backs. Donc ça, c'est de la Pro. Hein. De la Weak, Single Back, Shotgun. Donc High Form. Là, vous avez tous les packages de High. Je crois que c'est Tight. Et donc du coup, il y a dedans... moyen que c'est moi qui ne sache pas lire. Ah bah oui, c'est normal, il est en deuxième jeu. Un Flea Flicker. En alerte, en U-Pop, je regarde s'il y a des jeux funky. Parce qu'il y a pas mal de jeux dans le set. Ouais, il y a 30 jeux dans le set, j'ai pas la place de tout mettre. Je vais garder juste le... Oh, la FL Drive, un jeu que j'adore. Mesh, en plus avec la motion. Quoi, je vais en garder juste 3, mais c'est juste pour faire le test après. Et on va rajouter la Gun Trips Double Pass. Donc Shotgun Trips classique, il est où? Trips, 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 trips. Split, spread, tray, tight flex. Alors c'est moi qui suis bête et qui ai mal noté le nom de la formation. Vous voyez le nombre de formations qu'il y a, hein. C'est peut-être White Trips. Sprint Out, donc là il y a Smash avec un Sprint Out. Du coup ce qu'on voyait très rarement sur sur les jeux hier. Encore une fois un Sprint avec un Smash. Y a tellement de formations. Et vous mettez que 18 par Trips. Vous mettez que 18 sets de chaque formation. Là, Shotgun, j'ai pas compté, mais on est pas loin du 50, je pense. Voilà, double pass rail. Qui existe aussi en shot wide. Attendez, je vais rajouter. Oh, slot drive. Oh, RPO alert avec double. Voilà ça. Et du coup, on a dit que c'était la formation, c'est shot, c'est wide slot right weak. On va faire un truc, on va revenir dès le début. Voilà. On a dit c'est wide slot. Right. Y a pas right, donc c'est pas celle-là. Ah, c'est wing slot, je me suis trompé, c'est wide slot. Je crois que c'est celle-là. Il y a la motion double pass. Donc du coup, voilà, faut que je note. On va aller voir ça maintenant. Save playbook. On va aller voir ça rapidement. Non, effectivement, donc Gus n'est plus là, donc il va pas pouvoir nous faire ça. On fera gagner, on fera peut-être sur les réseaux. Je pense qu'on va le faire sur les réseaux où on va essayer de faire gagner un jeu. Il nous reste certains accès, on a encore des jeux à faire gagner. On va essayer de vous faire profiter au maximum. Donc, open practice. Oui, je garde Oregon. Oui, je vais continuer de bifler les Beavers. Là, je suis obligé de retourner dans les settings, d'aller chercher. Mon custom playbook. Voilà. Défense, mets-moi de la 2-3-5. Voilà. 4-2-5, pardon. Donc, du coup, où est-ce qu'on voulait aller? Bah, high form, j'ai pas grand-chose. J'ai le Flea Flicker. Et donc le Flea Flicker, qu'est-ce qu'on a? Il est un poil rapide à mon goût. Mais c'est pas mal. Ça fait le café. Et donc du coup voilà, il n'y a que deux tracés dans le concept. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Hein.
Là, j'ai le tight end à droite qui sort pas, mais si vous voulez jouer du... Y a pas du block and release normalement? Ah, bah, y a plus. Est-ce que je peux faire... Ah, il y a un nombre de tracés. Je vais mettre la out, est-ce qu'il veut me le faire? Voilà, il peut me la faire quand même si je veux rajouter un tracé, hein. Si je vois que ça va pas... Si je vois que ça va pas envoyer beaucoup et que ça va dropper et que je vais avoir un tracé de secours. Il y a pas une drague, voilà, on va pouvoir rajouter une drague ici. Si je vois que j'ai rien, au moins je viens prendre mes 3 yards et je suis pas obligé de balancer en touche. Là ça va blitzer, je suis en max pro, je me dis, bah, tu sais quoi, on va couvrir comme un minimum. Oh putain, je la voulais beaucoup plus à droite que ça. Et donc du coup voilà, vous avez la Flea Flicker qui est un jeu... Ouais, super. Donc du coup quand vous faites rusher et que vos 12 000 bloqueurs ne bloquent pas et que vous avez deux concepts, enfin deux tracés dans le concept, c'est un peu compliqué. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on était en gun. Gun. Split slot offset motion. J'ai dû me tromper. Je vais peut-être pas rajouter shot. Je l'ai en white slot right. C'est celle-là. Et voilà. Motion double pass. Donc du coup on est en 2 par 1 avec le tight end en flex. On a le running qui va motion à l'opposé. La passe est automatique. Et l'avantage que contrairement à la reverse pass de tout à l'heure. Là vous pouvez courir parce que c'est un running, donc en fait c'est même une option. Alors là si jamais j'appuie pas sur triangle, la passe se fait elle-même, d'accord? Mais vous pouvez accélérer encore le mouvement si jamais dès le snap vous voyez qu'il y a une pressure de ce côté-là, vous pouvez la jouer, ça la joue presque comme une option. Et là vous voyez que il est absolument tout seul parce que le cat a croqué. Ce jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien. Ouais. Du coup, vous voyez que le backside, vous avez aussi une fade, mais ce jeu-là, pour qu'il soit ouvert backside avec un running qui va lancer la balle, c'est un peu compliqué. Mais du coup, vous avez vraiment la situation où si jamais les mecs ne croquent pas dans la passe, et ben en fait, vous courez derrière votre derrière les mecs qui se retournent, qui sont en man, qui n'ont pas croqué. Et là, je suis là, vous voyez. Voilà, c'est un peu bizarre parce que bien défendu, le 24 là. Ça a pas croqué, les mecs sont restés sound, donc c'est un peu chiant. Vous voyez, si jamais j'essaye de la lancer de l'autre côté totalement, le jeu, étant donné que je suis sur une motion à droite, même un QB qui a du bras, là c'est très compliqué. C'est très compliqué, le timing est très 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 compliqué. Est-ce qu'il y avait un jeu? On va juste finir, vous savez quoi, parce que je vais le rajouter dans mon playbook, je vais pas vous mentir. Ce sera dans le playbook à télécharger, il va y avoir des RPO Walk de Wake Forest. Parce que j'adore ces packages-là, ils l'ont sur pas beaucoup de formations. Et du coup, on va en profiter. Wake Forest en plus, c'est pas loin de Oregon dans l'ordre alphabétique. Et là en plus, vous avez dans les W, vous avez des playbooks. Une petite série de playbooks sympa parce que vous avez Wake Forest qui est sympa, vous avez Washington State qui est de la Red qui est sympa, vous avez Western Kentucky qui est de la Red qui est sympa, vous avez Wisconsin qui est Run Heavy qui est sympa, et vous avez Air Force juste après. Donc là, sur les 134, il y en a quelques-uns côte à côte là qui sont sympathiques. Donc du coup, j'ai un peu galéré à trouver, mais j'ai trouvé où était le slow mesh de Wake Forest. Et on va voir ça tout de suite. Donc du coup, pour trouver, si vous voulez jouer du slow mesh, alors ils ont un peu de tout, hein. Si on voit par play type, ils ont beaucoup de passes, c'est du pass heavy. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont de la RPO et... Alors je vais le faire différemment. Je vais faire concept option et je vais chercher la RPO. Ils ont, voilà, les RPO qu'on trouve que dans le playbook de Wake Forest, qui est la RPO Walk. Et du coup, vous allez voir la spécificité. Je vais essayer de trouver un jeu que j'aime bien. Glance avec la bubble, tiens. Et du coup, vous allez voir la différence.
Regardez comment... Ouais, voilà, donc j'ai appuyé sur carré un poil trop tard. La différence est assez flagrante le temps que le cube est reste. Et la défense drop énormément, presque automatiquement en fait, parce que tout le monde pense que c'est une play action. Et c'est exactement ce qui se passe en vrai. Et là, regardez, la défense, je vois que mes blocs sont faits. Et en fait, j'ai un gain qui est hyper facile parce que la défense drop dessus. Et si je vois que la défense croque, eh ben, j'appuie sur carré rapidement. Et comme le safety a croqué, je marque le TD. C'est exactement ce que j'expliquais dans la vidéo. Je sais plus si c'était un audio qu'on avait fait sur le slow mesh. C'est qu'en fait, les safety sont tellement en galère que là, regardez, ça bouge tout de suite. C'est du big play, hein. En fait, vous avez tellement de place dans la ligne si tout le monde drop et vous avez tellement de place dans le backfield si tout le monde. Là, regardez. Là, ça va blitzer. Donc, déjà, je sais que mon run il va être compliqué. Et en plus, ça blitz du côté où j'ai ma lecture. Donc là, je suis là. Vas-y, blitz pas. Alors, le DB m'a un peu anticipé là, mais c'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Là, on est sur du. Je crois que c'est Glens. Donc, c'est avec le. Là, dites-vous bien qu'on avait lancé le. Donc, c'est le ex-Glens. Il y a une bub. Non, c'était pas celui-là. C'était Glens tout court. Mais il y a la RPO de l'autre côté. Si jamais vous jouez le jeu carré, donc RPO ex-Glens bubble, là vous allez avoir le run qui est de l'autre côté. Et là la lecture. Alors, le tracé qui est en rouge est le tracé du carré. Mais regardez le QB, ce qu'il va faire, c'est que le QB va se retourner à droite. Donc si le QB se tourne à droite, mécaniquement c'est compliqué. En vrai, c'est pas possible hein, de pouvoir lancer le tracé rouge à gauche si vous vous tournez à droite. C'est quand même un peu compliqué. Vous pouvez le faire sur ce jeu parce que vous avez la possibilité d'avoir la vision de tout l'écran. Oh là, même le corner il sait pas quoi faire. Ah, je vous dis, c'est. Là ça va blitzer. Donc il y a moyen que. Oh là là, j'ai trop daté. Là je sais que ça va s'ouvrir donc je keep. Et vraiment, 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 vraiment fort sympathique. Et donc du coup, il y aura, si, quand je mettrai mon playbook final à disposition, il y aura ces RPO de Wake Forest, ces Walk, ce slow mesh. Vous l'avez avec plusieurs concepts. Moi, alors, celui que j'aimais bien, c'était le snag, le Walk Alert Snag, qui était absolument génial. Voilà, c'est pareil, ça en short yardage. À moins d'avoir une défense qui vous fasse chier, mais c'est ce que dit Ryan quand il fait son live et qu'il se tape de la RPO avec sa défense, c'est qu'en fait la défense techniquement ne peut pas avoir bon. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que la RPO a été créée pour que l'attaque soit toujours dans le vrai. Et on joue avec ce concept qui s'appelle, ou qu'on appelle, on parle comme ça, c'est on joue là où la défense n'est pas. Et la défense ne peut pas être partout, donc on joue là où elle n'est pas. Regardez, ça drop, et ben je vais laisser la balle au running. Et vous voyez que ben en fait je me retrouve avec des joueurs qui ont croqué sur la bubble. Là ça va blitzer à droite. Hop, au-dessus. Et voilà, la ligne elle est sur le snap et sur la ligne des 30. Là j'ai pris 8 yards avec une bubble parce que. Voilà, tout le monde est couvert. Pareil, là je prends 6, 7 yards. Là ça va blitzer. Ça... Oh merde, je me suis gouré de. Bon, ça complète quand même. Je suis couru de touche, j'avais le triangle qui était tout seul parce que j'avais un outside blitz. Là, je vois que le gars qui est sur ma bubble, il réagit direct. Ça veut dire qu'il va. En fait, il est. Le spot qui est à gauche, le tracé du carré, remplace le défenseur du triangle. Donc, si le défenseur du triangle bouge, que ce soit vers l'intérieur pour jouer la course ou vers l'extérieur pour jouer la bubble, je me retrouve dans une zone qui est wide open. Là, il bouge à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, le but c'est de jouer la bubble, hein. C'est. Certes, il va ouvrir la zone pour le snag, mais c'est la bubble qui est ouverte. Et en gros, là, vous êtes sur un box count post-snap. Où en gros, vous allez considérer que s'il rentre dans la boîte, bah, il va jouer la course. Donc, ça veut dire que je suis à 2 contre 1 à gauche. Si jamais il reste sur la bubble ou il reste dans sa zone, il n'est pas dans la box. Donc, en général, on peut. Voilà. Là, il reste dans. Pardon, il prend la bubble. Donc du coup je peux laisser. Là, je vous dis c'est hyper compliqué pour la défense d'avoir bon sur quoi que ce soit. Vas-y, je suivre en man. Je laisse la bubble, voilà. Et c'est ce même jeu, hein. Vous pouvez jouer ce même jeu. Vous pouvez le jouer 3 fois d'affilée en jouant 3 joueurs différents. Et si vous voulez même vous amuser, vous pouvez même faire ça. Voilà. Donc 4 joueurs différents. Avec le même play call. Et c'est la base des offenses modernes qui sont minimalistes. Et pour la petite histoire, hein, la call sheet de Mike Leach, c'était
une feuille A4 pliée en deux dans le sens de la longueur, il avait 20 jeux. Donc ça change des play calls de Sean Payton où qu'on voit un NFL où les mecs ils ont une A3 plastifiée recto verso écrit en tout petit avec 320 jeux sur un game plan pour un match. Voilà, là il se barre, j'ai mon triangle ouvert tout de suite, parfait. Non non, c'était le en fait il y a tellement de diversité dans un play call que avec ces offenses là que qu'on peut se permettre de d'avoir techniquement dans le playbook si peu de jeux que ça. Il y a juste un jeu de Washington State que j'ai cherché, que je regrette qu'il n'y ait pas. C'est un drop-play en shovel pass qui était dévastateur, que je kiffais déjà voir jouer et que Wazoo jouait avec, je sais plus le nom du petit running blanc là qui était un nom un peu italophone si j'ai pas de bêtises, qui commence par un B, j'ai un trou. Mais donc voilà, c'est, je suis juste un peu déçu qu'il n'y soit pas. Mais sinon voilà, les playbooks spécifiques des universités sont. Alors, les universités qui ont des spécificités, je parle hein, pas ceux qui ont des playbooks assez génériques. Mais sinon voilà, on a tout et là. Ah bah du coup on n'a pas regardé. Mais du coup vous allez dans le playbook de Wake Forest, vous cherchez les jeux dans la RPO qui ont le mot woke. Et donc du coup vous regardez les formations, je crois qu'ils l'ont pas en tant de formations que ça, parce qu'ils n'ont pas tant de formations que ça à jouer. Et du coup vous les récupérez, vous allez dans Create and Share, Custom Playbook, ou vous pouvez même, hein, vous pouvez créer à partir d'un playbook offensif. Moi en vrai si je veux pas avoir à aller chercher, alors après c'est pas une énorme partie du playbook parce que techniquement il n'y a pas tant de jeux que ça, mais je pourrais par exemple prendre le playbook de Wake Forest. Et si jamais je veux que le walk, bah déjà My Playbook. Ils en ont pas en pistole. En full house tight end, bah j'enlève ça. En piste de ils ont que ça. Ils ont de la wishbone en magnifique. Donc du coup eux ils ont de la wishbone. On a vu de la flexbone sur les académies militaires. Là du coup il y a de la wishbone dans le playbook de Wake Forest. À moins que je me sois trompé, c'est bien Wake Forest que j'ai mis. Non c'est Wake Forest. Donc du coup voilà. Vous voyez que la petite diversité, il y a un seul set, c'est tight. Du coup, ça se rapproche un peu de la full house ou de la goal line que j'ai mis tout à l'heure, là, la goal line tight. Ou non, heavy. Et donc, du coup, c'est plus ou moins les mêmes jeux qu'il y a si jamais vous voulez vous amuser un peu. C'est peut-être un personnel différent. Mais voilà, en shotgun, vous voyez stack way of weak. Vous avez de la RPO walk. Vous avez en alert bubble play side. Vous avez en post backside, vous avez en stack avec une post wheel play side en plus avec le power pour la course du running, vous l'avez en stack avec un return, putain que j'ai pas vu tout à l'heure. Mais donc du coup vous avez un walk classique avec un return d'un des joueurs du stack. Voilà, c'est. Vous pouvez prendre les jeux qui vous intéressent, vous enlevez le reste et puis vous faites la base de votre playbook avec ça, c'est totalement possible. Et je finis avec les audibles. Alors ça on verra peut-être plus tard comment on le crée. Alors là c'est le playbook de Wake Forest, donc je vais pas vous montrer, je vais vous montrer sur le mien comment moi je fais les audibles. Après c'est chacun fait comme il veut, mais en général ce que je fais c'est que j'essaye de faire, parce que là du coup c'est une nouvelle donc je l'ai pas, j'essaye de mettre un jeu d'inside run, un jeu d'option, un jeu de quick game et un jeu de play action. Généralement, la plupart des playbooks, des sets ont ça. Donc là, vous voyez, j'ai un trap en inside run parce que j'adore le trap en spread comme ça. J'ai un jeu de read option, j'ai la play action que je kiffe qui est le Willys et la slot fade que j'ai parce que j'adore ce jeu et j'aime bien l'avoir rapidement à dispo si jamais je joue du no huddle. En sachant que vous avez les modifications de tracé en fonction de ce que vous avez en face. Vous pouvez, si vous jouez en no huddle, vous avez 40 secondes pour changer vos tracés. Là, vous voyez en empty, j'ai mis la screen qu'on a vu au tout début. La receiver screen, je sais que sur le no huddle en empty, j'aime bien jouer ça. La slot drive, un flood et un sticked node. Avant j'avais souvent un QB draw, mais que j'ai enlevé. Vous voyez, wide slot, j'ai du zone split, la RPO parce que j'aime bien celle-là. Un quick game avec la slant swing et une verticale avec une tight end cross parce que j'aime bien se tracer inside. Sur le bunch, pareil, inside zone, read option, quick game avec la X-spot, bah, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais avec une formation et un call différent et la boot en play action que il faut que je pense à changer à chaque fois que je la joue comme ça. Double offset weak, vous voyez, inside zone,
Jailbreak, parce que je l'aimais bien cette formation. Une play action, j'adore ce jeu. En 2 minutes drill aussi, je le trouve. Vous pouvez jouer sur presque tout. Vous avez souvent quelque chose d'ouvert. Donc j'adore ce jeu, je l'ai gardé. Et la PA Read. Ensuite, sur de la 5 receveurs, du coup j'ai mis un QB Blast. La 4 verticale, parce que j'adore le tracé shake comme ça du slot à gauche. La stick and nod parce que pour la cover 2, parce que le tracé nod là en rouge que vous voyez, qui est une outpost. En fait vous avez la corner à gauche et la fade à droite qui vont écarter les deux safety. Et la nod qui va venir se mettre entre les deux. Et donc la receiver screen que j'adore, que j'ai gardé. Empty base, vous voyez plus ou moins la même avec un jeu de mesh. Spread classique, toujours ce concept de wheel. La read option, une shallow cross et la slot out avec un tracé angle parce que j'adore ce concept. Voilà, trips, tight end offset, inside zone, flood, verticals, RPO bubble. Ça reste du classique, c'est-à-dire que si je joue du no huddle, j'ai mes jeux de base. Là, j'ai quoi? J'ai du RPO alert hitches que j'aime bien en spread. J'ai laissé une slant flat qui est un jeu hyper classique, mais que comme je le joue en vrai dans mon playbook IRL, je connais lecture par cœur, donc pour moi c'est hyper facile à lire et du coup c'est un peu un gimmick quand je joue ça. Tu me diras la RPO alert hitches, je l'ai aussi, et exactement comme ça en plus. Donc c'est un package en spread comme ça. Voilà, c'est littéralement la formation que je jouais le plus cette année. La play action deep out en 3ème, 4ème et medium long. De la cover 3, cover 1, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Notamment en 2 minutes drill, quand les équipes nous laissent un peu de place. C'est un jeu qui permet de convertir les jeux longs. Et la Z-spot, j'adore ce concept scat spot à droite là. Et je l'ai mis parce qu'il y a la return à gauche. Donc pareil, en short yardage, j'ai. Pour défendre la, pour battre la zone, je joue à droite. Pour battre la man-to-man, je vais jouer la return à gauche. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes les formations que j'ai. C'est comme ça que moi je fonctionne. Est-ce que vous fonctionnez différemment? Je ne sais pas. Vous fonctionnez comme vous voulez. Je vous donne ma façon de voir les choses, la façon dont moi je fais, la façon dont sera construit le playbook qui sera disponible au téléchargement. Et donc voilà, c'est sur ces belles paroles, sur les audibles qu'on va finir ce live. Je suis vraiment désolé pour le giveaway, j'ai complètement zappé. J'ai pas vu que ça faisait déjà 2 heures qu'on était dessus. Je prends vraiment énormément de plaisir à. Vous voyez, même sans faire vraiment de gameplay aujourd'hui, on a fait que du playbook et j'ai vraiment kiffé parler de ça avec vous, parler de plein d'autres choses. Encore une fois, on profite hein, de ça. Si vous avez des questions ou quoi, ça fait toujours plaisir de discuter. Et on va essayer de thématiser un peu plus les prochains lives pour ma part. Donc je vous ai dit, on fera du gameplay avec certains playbooks. Là, je vous ai montré sur l'open practice. On essaiera, pourquoi pas, de. Alors déjà, pour la semaine prochaine, j'espère que j'aurai mon playbook avec le fini ou j'aurai le slow mesh de Wake Forest. Donc on essaiera de voir ce que ça donne. On va potentiellement essayer de faire des matchs. Un niveau un petit peu élevé, voir ce que ça donne. Mais donc voilà, on va essayer de proposer des choses sympas et puis on aura cette explication du pré-snap avec toutes les modifications qu'on peut faire, qu'on a un peu vu aujourd'hui, la protection de passe, les tracés. On va voir aussi la défense. Je sais que c'est une question qui se pose. Il y en a un comme Ryan par exemple qui aime bien la défense et qui veulent jouer avec la défense et qui veulent maximiser leur potentiel sur la défense. Et ben le jeu nous offre pas mal de possibilités. Vous pouvez montrer du blitz, vous pouvez montrer de la cover 2 alors que vous jouez de la cover 3, vous pouvez faire l'inverse, montrer une shell de cover 3 et jouer de la cover 2. Donc voilà, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. On se retrouvera, vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir un rythme assez régulier, d'essayer d'avoir toute cette. On va essayer de construire quelque chose autour de ça, ben, voir si jamais j'arrive à me libérer tous les lundis à cette heure-ci. On peut se retrouver. Si ça vous convient, tous les lundis à 19 h, et puis on se retrouvera, on fera du tactique, on verra ça, et puis on essaiera sûrement peut-être d'autres petits modes de jeu comme ça pour se faire plaisir avec les choses qu'on a vues. Donc je vous souhaite une bonne soirée, restez connectés parce qu'on a des lives sûrement de Ryan, peut-être Guigui qui arrive, sûrement Val sur la fin de semaine quand il a de la dispo. On reste connectés bien sûr pour le lancement de la dynastie TTP qui ne devrait pas tarder. Curaï Bob qui a eu l'extrême gentillesse de me remettre le lien du Discord qui est disponible dans le chat actuellement
Et on se retrouve sur les réseaux, on continue d'être dispo, d'alimenter cette off-saison, et puis on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde!